signataire de l'alternative consensuelle, le signataire du consensus de Mayotte, qui a quand même voyé un message que quelque part au-delà de nos différences sur l'échiquier politique, et nous capables de joindre quelques consensus pour nous aller de l'avant. Et je crois qu'il faut me féliciter tout le monde qui participait à négocier ça, notamment le sénateur Jacinthe, et qui partageait le panel là avec nous. Nos grandes salutations très patriotiques, une pensée spéciale pour les nombreuses victimes de cette grande période de mobilisation. Les victimes sont nombreuses. Et là, m'a parlé de monde qui travaille dans l'hôtel, qui perd du job parce que l'hôtel est fermé. M'a parlé de businessmen qui gagne business qui est écrasé, qui est victime. Et tout le monde sait où on peut faire une transition, on peut venir à pas abandonner. M'a parlé de monde qui est blessé et qui est un monde qui est handicapé à jamais avant y a mal mon funérail. Oui, même fait Boutus dimanche qu'elle oblige au 20 monde dans cette 3 édition aller. Ah oui, faut penser à tout le monde, ce sont les victimes de cette grande période de combat, les victimes de l'insouciance d'un chef d'État qui était accroché à un pouvoir alors qu'il a perdu totalement le contrôle de la situation. Et ben, mon nègre aussi méchant, et dans pile victime, il y a un monde qui est dommagé à jamais, estropié, ils ont un jeune homme avant, il y a un funérail, qui prend balle dans la bouche, il perd du tout dedans. Il y a moins que 25 ans. Ouais, nous avons plus de 155 personnes qui mourent, assassinés sur ce terrain de combat. Et c'est des bagailles extrêmement graves. Sans oublier les nombreux massacres qui ont été perpétrés sous ce gouvernement. Le massacre de la Saline, avec plus de 75 victimes. Le massacre de Tokyo, le massacre de Kafoufeuille. Et tout récemment et actuellement, massacre Kafoufeuille sous Bel Air. Et nous avons pensé très spécial pour toutes les victimes. Et nous croyons que le gouvernement de transition qui est inévitable d'ailleurs, pas de droit. Les gens pas de droit à abandonner. Yo. Mais le plus important, c'est que, au-delà de toute cette situation de terreur, de répression, le combat doit continuer. Et ce matin, encore une fois, nous sommes là pour continuer le combat démocratique, pour continuer à assumer responsabilité. Merci, Yamouna. Merci, André. Dis un petit mot avant de saluer l'ingénieur Pradel. Ah non, salut l'ingénieur Pradel. Oui, il est là, côté de nous. Nous quittons le titre. Ingénieur Pradel, un plaisir. Nous connaissons votre fait sport matin. Vous venez? Ah, vous bon, ça tout. Merci, merci pour l'invitation. Nous avons salué tout le panel ici. Nous avons salué tout le monde qui a attendu l'émission. Femme d'un coup garçon. Nous avons salué le staff technique. Mon cher, merci pour l'invitation. Et nous souhaitons que nous fassions un bon débat. Qui a intéressé la population, mais pas que la loi découle pour tout poids lourd, ça y est. Quand il faut dire qu'il y a trop poids lourd dans l'émission. Merci, Madame Chérubin. Pour... Oui, avant Madame Chérubin, permettez-moi de saluer l'élève qui a perdu 2 mois à l'école. Je pense que le gouvernement de transition qui a venu n'est pas capable de tenir compte de lui. Il faut comment il permettre que Timon le rattrape. Tout ça a perdu pendant 2 mois. Ouais. Parce que nous avons besoin d'entreprises pour payer à fonctionner. Nous avons besoin de nous joindre à nos instruction. Mais là encore, ça démontre le cynisme d'un chef d'État. Ouais, on est cynique, même si tout le monde est écrasé, même si tout le pays est écrasé, entreprise écrasé, si on parle à l'école, et mon mourir, mon estropié, ça va intéresser. Il faut le rester au pouvoir. Je crois monsieur plus cynique que François Duvalier. Je ne peux pas payer à jean est aussi cynique comme ça. Je pense que c'est une suicidaire. Il veut entraîner le pays avec lui dans sa chute. Il veut tout briser. Monsieur Tarin, mettre tout 13 millions haïtiens. Pourquoi le suicidaire? Non. Il me pense que c'est cynique. Écoutez, je ne peux pas être aussi méchant. Oui, mais parce qu'il est suicidaire. Non, attendez, pour moi. Jusqu'à présent, par une condition qui va aller. Non, mais suicide et cynique, là, le débat est différent de toute façon. Non, mais moi, d'où par contre, il y a un bol qui arrive. Cynique, les suicidaires, tout. Parce que quand même, il fait partie du pays. Alors, ça sont l'autre bagage. Oui, ça sont l'autre bagage. Il fait partie du pays à tout. Parce qu'il fait partie du pays à tout. Non, son cas, je ne suis pas médecin, mais moi, c'est son équipe qui mérite étudier. Oui, vous avez une petite précision. Deux types principaux.
Et Jean-Monard, parlant de, encore de mesdames, je t'ai dit pas venir, m'a profité de dire pour mesdames avec l'autre monde tout qui ne qui pas répondre à type d'invitation ça yo, côté que grand échange dit de capable fait. Il y a des gens qui toujours dit au peuple politique, ils parlent en politique, et peut-être c'est pour ça qu'ils ne sont pas venus. Moi, je veux dire qu'on pas obligé un monde qui est en politique, voilà. Je veux dire là, pour venir participer à un débat. Parce que l'autre jour, j'invite mon radio et puis je présente comme femme politique. Moi, je dis que je suis citoyen engagé. Si je suis femme politique, je suis plus fort en question politique. Là. Je suis plus en doctrine politique. Je suis déjà peut-être présenté candidature quelque part. Fait carrière. Bon, je ne dis pas président de la République. Même pas quelle idée. Non, pas peur. Je dis que en tout cas, je choisis ça pour faire. Mais si je veux engager mon carrière politique, je suis déjà peut-être plus loin. Et ça me dit, donc c'est pas une question de faire de la politique pour venir participer à un débat. Ouais. Donc, c'est ça que je veux dire pour m'inviter plus de monde vraiment à participer à un débat. Argumentaire pour gagner. Deuxième, exactement, argumentaire pour gagner. Deuxième bagarre, c'est de faire suite à ça, M. Michel Sodia, côté que il est presque énuméré toute forme de victime qui vient, que c'est monde qui est blessé, que c'est monde qui mourit, la manifestation prend balle, que c'est monde qui a massacré, que c'est élève qui parvient à l'école, que c'est monde qui perd du business. Il énuméré plusieurs catégories de victimes. Donc, on a dit que nous tous, parce que nous tous, nous espérons que le monde ne serait pas victime pour rien. N'espérez que vraiment le combat ça, son combat pour aboutir. Et comme M. André Michel en ligne de front, opposition en ligne de front, passerelle là, société civile là, élite politique qui te représente sous table de concertation, eh bien, moun sa yo, que vous parlez de combat. Parce que ça, c'est un pire grave injustice que tu as fait, peuple haïtien. Moi-même, je pense que. Peut pas ici engagé, lui montrer ça. Et pour ça, l'autre jour, m'a dit que et la crise n'est pas la crise de l'opposition. Et si tout le monde dit que livrer marché la logique pour changement, c'est pas nécessairement que mon n'a pas en blanc, c'est en opposition. Donc on a dû tourner à Yves. Est-ce que vous pensez que ça a eu ceci? Est-ce que vous pensez que ça a eu cela? Vous pas qu'être volé là-dedans, etc. Et nous pas qu'on est profil tout le monde qui en lit deux fois, j'aime dire, par exemple, en opposition. Mais bon, c'est une réflexion que nous faisons quand même. Nous parlons pour qui ça? Et gouvernement actuel, la balade, il a commencé à tout, ça va faire marrer tout, s'il gagne des preuves contre eux, même logique là. Gardez que Kounia a commencé à mettre l'action publique en mouvement contre ensemble de compagnies parce qu'ils pensaient que ils n'ont pas fait travailler ou bien, ils ont gagné sur facturation, etc. Nous pensons tout que si l'opposition a gagné deux mondes qui ont gagné des choses contre eux, ils ont mis l'action publique en mouvement contre eux tout. Mais ça, c'est logique qui fait me dire ça. Toutefois, je veux dire que nous-mêmes qui disons que nous sommes en combat, c'est pour un blanc saint du tout que nous sommes en opposition. Hein, et ce n'est pas dit, nous dit que vous êtes les plus vertueux. Seulement, nous suivons que. Nous suivons qu'il faut que. Nous suivons que j'aimerais dire. Baissez volume, mon cher. Ce dont nous sommes sûrs, c'est que le pays d'Haïti n'est pas capable de continuer à sombrer dans l'abîme. Et ça, nous connaissons. Et nous-mêmes, nous voulons participer là-dedans. Pour ça, vous parlez de lâcher, lâcher combat. Non, moi, je dis ça, son point. Non, je ne dis pas lâcher combat, non. Moi, pas dire lâcher combat, mais dire qu'ils ont une grande responsabilité devant l'histoire. Je le rappelle, je le rappelle. Non, je ne dis pas lâcher combat. Non, même d'où, il faut que nous parlions de combat. Non, mais c'est ça que la matin, samedi matin, j'ai l'autre bail pour m'faire. Le mandat continue. Moi, j'ai l'autre bail pour m'faire samedi matin, mais moi, je viens là, c'est le niveau combat, pam. Chaque Brunel, moi d'accord avec l'appel que le fait. D'accord avec réflexion la fait sous question pas la guerre combat. D'accord avec. Il a réfléchi sous question ça. Non, alors j'ai l'impression ou pas trop comprendre remarque et ingénieur Bradel là. C'est comme si pour lui c'est pour un bagage qui était même doué parler même pour possibilité pour combattre la guerre. Mais ça ne fait pas même une nécessité. Non, quelle idée. Sans dire pour information. Ne m'agressez pas, ne m'agressez pas. Je stimule. C'est pas information, c'est. Je stimule. Jean où est là, où il porte au prince. Jean comprend l'activité à. Li pa konnen peut-être c'est du d'accord. Son certaines complicités. Nous croyons que faut que tu aies une semaine pour te gagner ravitaillement parce que on sorte de. Moun yon dan kayou, on dit Jean, besoin respirer. Vous comprenez? Donc, à partir de là, il est capable de faire réflexion. Moi-même, moi d'accord avec elle, il faut nous rappeler là chaque moment parce que c'est l'avenir. Non, ça que là, même dans la guerre, ça existe.
dans une guerre ou carrément. Oui, il y a les moments de trêve. De trêve passagère. Oui, il n'y a pas. Alors, son trêve non décidée. Oui. Mais songez bien. Non négocié. Qui le 7 juillet, fin fête. Le 6-7 juillet 2018, fin fête. Non négocié. C'est bien un temps assez long, pas de rien. C'est jusqu'au 17 novembre, 18 novembre qui devient rien. C'est tout à fait normal. On ne parle pas. Il y a des gens qui pensaient que ah, bah, la réglée. Non, rien n'est réglé. Parce que les problèmes ou bien la revendication populaire reste entière, le problème reste entier, c'est pas penser que trois semaines ça a fait là, pas gagné, et puis et bien c'est fini, et nous laguer l'opposition population pas capable. C'est pas vrai. C'est pas vrai, ou kawé, dans deux, trois semaines encore, bah, la répéter encore plus grave. Collègue Bradel, vous enfoncez une porte ouverte, vous parlez convaincu. Voilà. Mais vous entendez, question ça repose, c'est pas vrai? En pile. Mais c'est donc normal. Moi, je suis dans la position pouvoir d'affaire bah, la sécurité. M'a fait écho ça et puis faire l'appel. M'a fait le sécurité que l'opposition n'est pas capable encore et puis vous laguez. Mais la sécurité, t'as fait sécurité ça. C'est un questionnement qui a besoin en pile de. Et qui n'est pas bien rassuré, va même n'a pas. Exactement. Moi, je viens là précisément. Par rapport à notre situation dans le pays, on dit au moins nous occulter la réalité. Pays d'Haïti, nous passons dans le sens de état failli en haut l'état qui est dans l'effondrement, je veux dire là. Et de ce quoi, pays a nous en bas chapitre 7 chapitres de l'ONU. Qui donc, moi, crois fondamentalement, et faut que nous adressions le problème. Je dis à la très clairement, il y a une opportunité à vous faire. Nous avons venir nos panels de petits copains, comme si nous avons parlé, etc. Nous venons là pour noter la gravité de la situation et nous vivons en crise existentielle dans le pays d'Haïti. Nous avons une perte totale de souveraineté. D'ailleurs, visite Mme Kelly Craft là, et qui vient montrer nous très clairement le pays d'Haïti. Donc, tout le monde connaît, mais café politique, pour nous, les sénateurs, connaît ça tout. Et tout le monde là, tout le connaît. Nous parlons de souveraineté. Nous. Si nous avons posé problème non, en référence à la jeunesse haïtienne, non, non cadre spontané en référence à l'événement 6, 7 et 8 juillet qui était dans la rue, et qui m'a donné rupture, donc ça veut dire, nous très clairs, je dis là, il faut que nous abordions le problème non, dans le cadre géopolitique global et dynamique politique interne. Donc, il ne s'agit pas de nous venir là, comme si on se congratule, etc. Donc, il y a une situation extrêmement grave côté l'État n'a vivre l'État effondré et que même nos campagnes nos futurs prévisibles nos campagnes exister comme haïtiens comme tel territoire capable exister mais nous mêmes comme haïtiens et qui des souveraineté nous avons perte totale presque totale de souveraineté donc matin vient là pour articuler ça au mieux de capacité pour nous mêmes ça qui est intéressant c'est souveraine puissance là moins qu'on ait gagné gagnons une demande de gouvernance qui clairement exprime le pays et nous besoin un leadership qui a conduit et demande de gouvernance ça parce que nous pas qu'à faire un cadre et révolutionnaire total un cadre brutal et côté nous qu'à prendre ça nous et puis pour nous mettre les points sur les yeux à la manière de Dessalines donc pays d'Haïti nous vient en vertu de la résolution 2476 pays d'Haïti, je dis là, donc nous avons Binu qui l'a. Et que Madame Sagvini, Madame Kelly Craft, qui vient non seulement, il va venir, comme c'est le processus politique là, c'est lui vient monitoring, mettre les jalons sous place pour quatre groupes consultatifs qui vont prendre et gestion pays à nos futurs prévisibles, c'est de ça que nous parlons. Et qui j'aime faire nous retirer pays en bas chapitre 7 l'ONU hein, pour nous capter autonomie politique, nous, pour nous capter au moins répondre et nos futurs prévisibles et à demande de gouvernance, je ne sais que l'État est fondé. Donc c'est de ça que nous venons parler matin. Bon, bien quand on vient parler de ça, yeah. Mais attention, ou qu'à argumenter, ou qu'à parler de lui. Mais nous-mêmes, nous faisons colloque sous lui, nous faisons entente sous lui. Et il y a un feuille de route, nous. On va peut-être ou pas suivre non, ça nous-mêmes. Pas fait. De route, non, 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 c'est pas non, ce que je vous pas, dis. C'est pas, parce que Jean parle. Est-ce qu'on finit conscient de ça, si ou même ou pas de conscient, nous qu'à toujours continuer à parler sous lui.
Cependant, nous tellement parlé sur lui, nous prenons résolution sur lui, et il y a un an, il y a son point la feuille de route. Non. Donc, ça veut dire qu'on comprend bien. À quelle feuille de route vous parlez là? Vous parlez en tant que policier, je parle à souveraine puissance qui vous demande de gouvernance spécifique. Je ne vais pas faire démentir à la parole de l'autre, ou bien trois ou trois bagages, je ne vais pas personne là. Moi, je viens précisément, je dis là, montrer gravité situation. Pays a, n'a monitoring par chaque, en bas chapitre 7 de l'ONU. Et que maintenant, je viens là, je viens prendre contrôle pays a. Je viens contrôle toutes les institutions pays a, d'ailleurs, convoquer tout le monde tout d'ailleurs. Et le président de la République, et toute l'opposition, etc. Donc, voilà de ça que nous parlons. Hein? Mais nous je pense que. Nous pas dissocier la réalité géopolitique globale là de réalité pays a. Donc, son pays, qui parle de souveraineté, je pense que nous avons une invitation de Jean Monnat et de Radio Caraïbes qui parle un petit chose tout pour lui, pour le monde et de nous. Je suis d'accord qu'on en parle aussi. Mais quitter lui-même l'introduit, pas vrai? Sujet, agenda, à quoi? Bon, comme moi, c'est ça que tout parler, Madame Kraft, etc. Et nous, tu voulais dire une parole avant. Pardon, moi. Pascal Moté, un petit peu. Bon, c'est tout simplement pour me réagir à peut-être. Sujet ça, point ça par rapport à ça, c'est que je pense que il y a divers groupements, que ce soit au niveau du secteur politique ou bien des autres, qui carrément prennent position par rapport à VM Vini, Madame Kraft en Haïti et même de l'autre processus qui était fait bien avant. C'est qu'on va gagner qu'à résoudre du jour au lendemain et ça n'est pas d'aujourd'hui non plus. Donc, bien sûr que soit qu'il y a adressé, bien sûr, il faut bien des résolutions qui prennent sur les mêmes, je vous dis. Mais la question de la souveraineté n'est pas tout simplement une décision qui se prend du jour au lendemain. Il n'y a pas qu'être mécanisme, il n'y a pas qu'être réalité qui fait que justement, il y a une perte de souveraineté et même parfois, même on n'a pas conscience de les réels. En d'un pays. Donc, moi, ouais, en pile intervention, moi, ouais, en pile communiqué, moi, ouais, même moi, en pile action qui fait par rapport à venue Madame Kraft en Haïti. Donc, je pense que lycée, ils ont pas une inquiétude, mais son préoccupation et que l'y adresser à divers niveaux. Je ne veux dire, si c'est une partie sujet émission, je pense que la débatte et même penser au départ, tout le monde d'accord sur réalité ça et d'accord justement sur préoccupation ça. J'ai mon âme bien content que c'est Madame Solas qui parlait de sujet, hein, ou jeune, qui conscient, qui comprend, et pourquoi elle explique assez. Donc, si nous on voit en plus de la serre, c'est tant mieux. Oui, Andrew, t'as pas bon, moi, je pense que visite Madame Krafla, le symptomatique d'une situation claire. Le pays est en crise. Et le président et son gouvernement perdent du contrôle situation. Parce que par aucun pays qui a fonctionné normalement, côté l'État a pris responsabilité, côté pas une crise politique ou bien crise de légitimité, et pour pouvoir loin, et nous sommes l'autre pays à monter et descendre. C'est le premier constat. Automatiquement, on a une situation numéro 4, numéro 5, numéro 20, absorti aux États-Unis, sorti l'autre pays, monter et descendre, vient dire, il faut faire ceci, il faut faire cela. Cela est symptomatique d'une situation de crise et d'une situation de crise gravissime. Et à partir du moment où on est président de la République, ou bien on va gérer l'État, et où il y a des étrangers qui ont intervenu, qui ont dit, mais ça pour faire, cela veut dire qu'il y a un problème, et cela veut dire que nous-mêmes, nous constatons qu'on perd du contrôle. Maintenant, et le plus important, c'est que je voulais dire que notre sensibilité politique, si je suis capable de le constat, je parle des signataires de l'alternative consensuelle. Cette sensibilité a été représentée par les sénateurs La Tortue et Beauplan. Et moi, je voulais utiliser micro Radio Caraïbes matin hein, pour me féliciter. Parce que justement, avant de participer à cette rencontre, j'ai gagné la compréhension. J'ai dit, mes chers amis, on nous fait une rencontre pour nous fixer les règles du jeu, pour nous arrêter en conduite, arrêter en discours que vous-même vous pouvez porter par devant Madame Kraft et par devant tout le monde qui était là. Et pour moi, vous faites très bien, vous bien argumenté et vous dites très clairement à Américains, depuis quelques temps, qui a essayé de pousser en logique de cohabitation sans condition avec Jovenel Moïse ou bien de discussion, de dialogue,
Et il a clairement dit à Madame Kraft, c'est la position du secteur démocratique, de tous les signataires de l'alternative consensuelle, entre nous et Jovenel Moïse, il y a un fleuve de sang. Il y a un fleuve de sang, parce que lorsqu'il y a plus de 155 personnes assassinées dans une période de mobilisation anti-gouvernementale, ça représente un fleuve de sang. Lorsqu'il y a plus de 75 personnes assassinées dans le cadre du massacre de la Saline, c'est un fleuve de sang. Lorsqu'il y a le massacre de Tokyo, le massacre de Bel Air, le massacre de Cafofeuille, ça constitue un immense fleuve de sang. Et en politique, on ne traverse pas un fleuve de sang pour aller négocier avec les criminels, quelques miettes politiques ou bien quelques miettes gouvernementales. On ne fait pas ça. Pour nous, c'est une position de principe. Pas rien personne ne monte sur la tête. Et même si c'est bon Dieu que tu as descendu, qui t'a dit non ça, on a négocié avec Jovenel Moïse, on a le prendre un job dans le pays. Pas chrétien alors. Côté, même si je suis chrétien, je suis chrétien d'inspiration catholique. Ouais. Mais, moi, quoi? C'est pas tout quand, ça l'éternel mando a fait. L'État n'a pas besoin de demander moi, tout, ben, je connais mon Dieu. Il n'a pas besoin de demander ça. Son façon pour me dire, il est hors. Il est totalement. Il a demandé ça pour les prouver, oui. Ça le demandait, ça. S'il m'a demandé ça pour les prouver, il y a un problème, parce que là, je pensais m'a réagi de façon cavalière. M'a dit, mon Dieu, ce n'est pas normal, je ne peux pas traverser le sang de mes amis qui ont été abattus, assassinés sur le champ de bataille pour mal négocier avec Jovenel Moïse. Et pour moi, c'est important. Parce que si mon problème de gouvernance, je suis capable de négocier un problème de gouvernance. Problème de gouvernance, mon problème au Parlement, les choses ne marchent pas, les institutions ne sont pas fonctionnelles, ou capable de négocier sur ça avec mon président. Mais lors d'un fleuve de sang, devant, ou pas capable de traverser le poil pour un job, parce que la question devient une question morale. Qui sont après le diffamé monde qui mourit dans la manifestation, qui ont pété, et puis ont cassé, il y a des gens qui perdent du rein, il y a des gens qui cocobé à jamais, plus passer 250 personnes qui mourit entre massacre, la saline et mobilisation. Ça, après le dire, ou pas faire ça. Si les gens qui perdent 2 mois à l'école, faut pas le dire, famille, les gens qui perdent du business, yo, et vous faites tout le bagage ça, c'est pour faire un bon job. Bref. Il est clair que ce n'est pas possible. L'organe dermalogue tout, ou pas qu'à traverser ça, sur les dossiers de justice, ou pas qu'à traverser Petro-Caribé, dans lequel le président est impliqué. Et c'est la Cour des comptes, une institution d'État indépendante qui a clarifié l'implication du président. Mais comment on va le négocier? Bref, nous, à cette phase de débat, on n'a pas d'autre choix. Il faut aller jusqu'au bout. Et nous avons pris la décision d'aller jusqu'au bout. Pour me rencontrer dans le bien passé, il y a des gens qui ont dit, depuis l'envenir, des gens qui sont en politique, pour couper les chines, etc. Ils vont faire bac, ils vont négocier, ils vont vieux tweet qui t'a sorti toute qualité de note, toute qualité de propagande. Mais finalement, on a compris que les gens qui ont rencontré là, ils ont quand même tête. Et ont exprimé une position qui conforme à la morale publique, qui conforme à la position groupio, qui conforme aux intérêts de la République Jodia. Et je voulais dire, moi, je pense que c'est clair pour tout le monde. Et à cette phase de débat, on n'a pas d'autre choix. Il faut continuer le combat. Et hier, nous faisons réunion, nous disons, on n'a pas d'autre choix. On va continuer le combat, on va continuer la mobilisation. Mais justement. Permettez-moi de vous bagager, s'il vous plaît. Sauf votre respect. Alors, tu veux, sauf votre respect. On me sent fort, mais oui, il est fondamental. Parce qu'on est en train de tourner en bon cadre global général dans le pays d'Haïti. Pays d'Haïti, c'est membre fondateur d'un sens supranational, l'ONU. Jodiara dans le pays d'Haïti, en vertu de la résolution 2476 qui prend par le Conseil de sécurité, le Conseil de sécurité n'a pas seulement les États-Unis, là, non, mais ah, oui. La Fédération de Russie, la Chine qui t'a soutenu pas de voter la résolution. Ça. Qui donc tout ce qu'on a là, il y a un cadre frame, madame Savini là, qui représente un cadre global. Son entrée là, il y a déjà prévoit. Dans le groupe consultatif BINU, pour mettre en place un pays d'Haïti, groupe chargé de questions, violence, gang, assassinat,
D'ailleurs, les Nations Unies et le Conseil des droits de l'homme parlent sur la question assassinat, parlent là. Donc, on nous, pour vous capter, mais jeunesse qui parle là. Donc, qui sait, On parle de l'existant. Chapitre 7, Nations Unies. On s'en savait dit. Donc, nous allons vous expliciter ça pour jeunesse haïtienne. Non? Et pour demande de gouvernance. Ça, ça veut dire. Le pays, en bas, chapitre 7 et Nations Unies. Donc, soit dans les mêmes fractions. Mais il ne s'agit pas de moi. Non, mais c'est opposé problème, non? Vous avez dit que c'est problème. Non, vous pouvez vous aller. Non, vous pouvez vous aller. Non, pas fait ça. Un constat. Moi, constaté le 28 juin 2019, gros de l'issue de preuve, le Conseil de sécurité. Laser. Il est un pays, nous pas de souveraineté. Il va nous. Et bien, où est le monitoring du processus politique de pays d'Haïti? Il y a quatre groupes consultatifs qui ont une gouvernance, qui ont des capacités en termes de justice, élection. Vous savez, justice, élection. C'est groupe ça. À moins que vous vienne à moins que vous vienne à Missoulou, ou que vous fasse 24-76 ans, je termine ma prise de parole, tout en rappelant. C'est clair. Bon, finis net. Avec cette résolution. Évidemment, je dois saluer la cohérence de Franz Lasserre. Merci. Je veux saluer sa cohérence parce que quelque part, et l'inologie très claire, je dois rappeler que son parti politique se trouve représenté dans le gouvernement de Fritz William Michel, qui a été mis en échec au Sénat de la République. Et c'est normal que sa position soit différente totalement de la mienne. Et c'est à ce titre que m'invite elle, tout. Ça ne pose pas de problème. Je dois saluer sa cohérence. Oui, et ingénieur Pradem. Pays d'Haïti, c'est pas mondial sous chapitre 7 là depuis 2004. Depuis 2004, on a chapitre 7. Quittez-le. Et puis pour un plume, notez son besoin. Le problème n'est pas là. Je dis à nous en face d'une crise que nous carrions les multidimensionnelles. C'est justement ça, madame dit. Et totale. C'est-à-dire, c'est une crise totale, c'est une crise multidimensionnelle. Ça, là, n'a pas parlé de gouvernance, etc. C'est la conséquence de la crise. C'est-à-dire, qui crise que nous gagnons? Crise la foi à chercher très loin. Et pour ne pas faire d'histoire, on prend à partir de 86 notre tranche et que nous entrons dans Santa Cabrilli et le choix démocratique que nous faisons en 1986. Lui, nous entrons là-dedans sans projet. Donc, les Vinbor ont un ensemble de têtes chargées que nous ne pouvons arriver qu'à maîtriser. Je dis à la sac passé. Ou un président qui est incompétent, un président qui est inconscient, ou toute une population, qui compte qu'on ouait ça? Tous les secteurs de la vie nationale campés contre le président. Juste l'église qui a dit le pape Palavor, le pape Chita pour le pape Palavor. Ou pas gagne aucun secteur dans le pays que le président a appuyé sur lui. Donc, ou son président, c'est Santa Cabrillo, son fantôme.
ou son fantôme de président par le seul fait qu'on ne peut pas diriger rien. D'ailleurs, on a gagné plusieurs exemples. Le premier exemple, c'est que le président a arrivé, essayé de monter trois gouvernements, il n'est pas passé. Malgré le gagné, il a gagné une majorité dans les deux chambres, il n'est pas arrivé qu'à faire passer deux premiers ministres. Donc, ce qui signifie qu'on n'a pas aucune compétence en termes de gouvernance de pays. C'est une première chose. La deuxième chose, c'est que le président de la République n'a pas de maîtrise, même pas un pouce carré en un pays. Pas un pouce carré, parce qu'on garde pour nous. Ça fait deuxième année, deuxième fois, dans Vertière, président pas fouti à Vertière pour la fond cérémonie nationale. Là, la mort de Dessalines. Pont Rouge. Président pas même qui arrive Pont Rouge qui l'a en bas pied dans Port-au-Prince. Nous regardons que tout bala circonscrit dans champ de masse. Donc, ou bien, ça n'a qu'à brûler un effondrement total de l'État haïtien. Les trois pouvoirs effondrés. Maintenant, face à cette situation, gagner une opposition qui dit lui-même, il n'a pas décidé à chita faire dialogue avec le président, malgré la pression de l'international, soit dit là. L'international a fait à travers tout le monde, à travers le groupe, à travers l'ambassadeur pour qu'on parle, à travers l'OEA, et même une dernière mission là, que vous voyez une mission, malgré que vous ambassadeur sur place, pour venir raconter même histoire. Vin dit c'est pour nous chercher chita pour faire dialogue. Nous, dans l'opposition, nous dit non. Nous pas qu'à faire dialogue avec nous, n'est que un, pas faire confiance. Parce que pour faire dialoguer avec le monde, faire au moins un minimum de confiance là-dedans. Deux, le président n'a aucune crédibilité, aucune moralité pour faire dialogue avec elle. Trois, comment on peut faire dialogue avec un nègre qui nous complice dans toute qualité d'histoire. Madame, dans toute qualité d'histoire. Alors, vous voulez mal dialoguer pour qu'un monsieur au pouvoir. Donc, il n'est pas possible. Nous dit international là, il n'est pas possible. Donc, soit parler de l'article 7, de ceci, de cela, nous montrons qu'il y a des franges en un pays qui dit nous, nous ne prenons pas de dictat. Vous mettez ce que vous voulez, si vous voulez prendre, qu'un bel pour contre. D'ailleurs, c'est l'international qui est monsieur. Seul appui, il y a son appui international. Sur le plan national, il n'y a pas de bon journal français qui disait pas international, américain. Américain. Pas voulu faire. Focus sur eux. Moi, je dis que et la communauté internationale. Et moi, je parle avec des ambassadeurs qui pas d'accord du tout. Oui. Donc, comment ouvrez une nation pas à cause de votre force, tu vois, ou à imposer un monde qui est négatif pour tout un pays, pour tout un peuple, tu vois, qui ne travaille dans l'intérêt de la population, puisque sur le plan constitutionnel, le président de la République, premier bagarre que vous faites, c'est apporter le bonheur au peuple que vous diriez, depuis le président Monté, la population, c'est dans la misère, c'est le désespoir complet. Donc, ce qui signifie, ou rater premier, et obligation constitutionnelle, ou bien deuxième obligation constitutionnelle, fort ou capable, garantir la sécurité sur le territoire national. Alors que le président, pour qu'on parle, il va foutre déplacer à l'intérieur. Donc, il faut garantir, intégrité territoire par rapport aux autres nations. Ce n'est pas qu'à faire, même à l'intérieur, voire par rapport à l'autre nation. Donc, ce qui signifie que, m'en face au président, qui non seulement incapable, mais le prouve que l'inconscient, tu vois, parce que, ou rendre compte, ou pas capable de répondre à exigence constitutionnelle là, on voulait pour être avec la complicité de l'international. Même l'international là tout. Parce que, ou pas qu'à dire que pour forcer accepter on est qui est capable, donc à partir de ce moment, je me suis permis de dire, est-ce que c'est pas un comportement raciste par rapport aux Haïtiens. Parce qu'on croit même accepter un bagage que pas d'accord, qui pas dans l'intérêt population, qui au détriment mais, de cette population. Peut-être soit le chercher motivation, ou bien ouais, c'est pas raciste. Motivation, c'est que les bons chefs qui garantit intérêt. Non, m'a balayé de quoi. Les balles votent qu'elle voulait, elle voulait, j'en voulais, sans considération de ça nous représentait l'histoire, nous, de. C'est exactement l'ambraliste. Okay. C'est un fusé qu'on livre là. Ouais. L'échec de l'aide internationale. Ouais. Et je suis à banaliser le comportement de l'international
face aux dernières élections qui étaient passées, élections qui étaient passées en 2010, pour nous montrer combien que d'un acharnement total de branche internationale contre le peuple haïtien. C'est contre le peuple haïtien à faire accepter des mondes qui ont connaît incompétent, qui pas capable de résultats, ou fait contre combinons pour faire accepter, faire la population accepter. Donc c'est quand même grave. Et puis plus tard, pour nous, nous sommes bons et capables, etc., etc. Vous refusez que le choix population est arrivé à sa fin, qui est choisi, mon que me croit, qui est capable de bailler de résultats, ou à imposer le monde, et puis plus tard, pour dire c'est moi qui ai responsabilité. Donc, il faut que nous tenions compte de cette affaire-là. Moi-même, vous m'avez dit. Bon, question, mais que l'international, américain notamment, ferme qu'on est pour qui ça, pour Jovenel Moïse rété président. Dans ce contexte, la transition devient inévitable. La raison est simple. Jovenel Moïse, pas jamais capable de mener un pays à une alternance démocratique. Il n'est pas jamais capable de mener un pays à un processus électoral. Non. Un président qui n'est pas déplacé d'une commune à un autre. Un président pas capable de déplacer d'un département à un autre. Parcours, c'est son type pèlerin 5, descend dans le palais entre flou. Et puis, pouf, entre dans la machine blindée, courir monter plat. Écoutez. Ou bien là, on a mis, va pas na déposer. Mais pas na, mais ton petit jeune flé tout tombe à terre, plop. À partir de ce moment. Il va assurer le côté la mettre là. Il va pas la mettre à terre. Mais c'est triste. Maintenant, attendez, parlons. Finalité analyse, mais la transition est inévitable. Communauté internationale, là, gagne plus intérêt pour lui accompagner les forces progressistes de ce pays, pour nous engager le pays à le plus vite possible dans une transition, pour nous réussir la transition, hein, si c'est vrai, dans l'intérêt du pays d'Haïti, parce que le pape vient de faire l'élection. Tôt ou tard, on finira par aboutir à une transition. Pour qui ça l'oblige à être là? Parce que si vous ne faites pas transition aujourd'hui, on fait le demain matin. Si vous faites aujourd'hui, la mieux. Parce que si vous quittez le fait plus dans ce pouvoir, la facture économique et financière sera beaucoup plus lourde. La sociale aussi. La facture sociale sera beaucoup plus lourde. Il y aura beaucoup plus de victimes. Parce que de toute façon, allez pour tourner ou prêt à rentrer dans la transition parce que le pas contrôle rien. Je ne pas comprendre pourquoi il doit rester au pouvoir alors que le pas qu'à gouverner, il n'y a pas de contrôle rien. C'est notre transition. Est-ce que on va réaliser ça? Il doit réaliser. Le... Mais il y a des garanties qui ont été gagnées avec elle, il y a beaucoup sûr avec une transition. C'est pour cette raison que je dis tout à l'heure, il faut analyser ce comportement. Oui, motivation. On prend sous l'angle économique pour eux. Pour pas qu'à prendre une population ou d'accord pour vivre pauvre net, alors que ou non néolibéral, c'est dans le néolibéralisme. À partir de ce moment, ou besoin consommateur. Ouais. Donc, ou bien intérêt à ce que ces 11 millions d'habitants qu'il a ont pouvoir d'achat qui permettent qu'ils calculent. Et puis, éviter votre people tout. Évidemment, éviter qu'on qui parle de la carrière. Donc, je ne comprends pas. C'est pour cette raison. Dans une analyse économique et même politique, on peut comprendre pour qui raison ou voulez qu'un nation, pays, un état ça. Et c'est pour ça que nous. Il faut aller chercher l'explication ailleurs. Oui. Et alors, moi-même, merci, ingénieur Pradel, vraiment ramasser et tout. Bah, même parce que un élément fondamental que peut-être n'est pas admissible pour nous passer à côté, c'est que au-delà de cela, on a parlé de corruption et son mot qui peut citer. Au-delà de l'incapacité, au-delà de, même Jean-Ingénieur Pradel dit, insouciance de mener population à défaut de bonheur, même j'ai un mot qu'on utilise, hein, au moins de la survie, la vie en général, c'est aussi une question de corruption. Ça veut dire que tout ça qui
comme base de sa capement des journées jodien, une base fondamentale, c'est la question de la corruption et de l'impunité. Journées jodien, moun ça, que toute population a décrié, son moun qui est représentatif de toute une normalisation, institutionnalisation et pérennisation de la corruption en Haïti. Donc il est le système. Voilà. Et journées jodien, c'est évident. C'est une clé de tout ça qui a mené nous au-delà de pérennisation, corruption, ça, journées jodien. Et quel que soit intervention, mais quel que soit move qu'a fait nous international dans le pays, on pense que faut nous très clair que pas aucune intervention qui suppose écraser pacte social population avec dirigeants. Oui, il y a un dialogue. Il y a un dialogue qu'a fait. Et un dialogue qu'a fait depuis un bon bout de temps entre la population avec moun kap dirije yo. Moun yo di sa yo vle. Moun yo di ki sa yo pa vle encore tout. Moun yo di ki bon yo vle aller. Yo dialogue. Groupe de moun, gen un groupe de moun ki la kounya ki bral transformer sa population abdien en yon avancé politique. Mais population en lui-même avec voix, légitimité et tout ça outils que démocratie en bali pour le parler, la parler depuis plus que nan. Nous avons dit là moun yo délégitimer dialogue population par rapport à peuple kap diri, à par rapport à moun kap diri, c'est délégitimer le fait que yon peuple kap pran propre voix pour dire mais qui ça que vle en donc à moins que c'est pas ça yon entend pas dialogue bon c'est non. Que c'est imposer oui, les oui. Quatre volontés à oui, un peuple mais là, c'est parce qu'effectivement sous son dit les président Jovenel parler les dialogues avec peuple là oui. Peuple là répond mais tout de suite lui il dit non son dit et va dire là il répond ni tout de suite ça imposer il courir rentrer qui était là arrive où il dit lui ça imposer c'est pas un dialogue c'est ça parce que moi même m'estimer que en tant que haïtienne en tant que citoyenne moi j'ai plus que un an m'a parlé avec des monde qui dirigent mon pays m'a parlé avec des monde qui prend décision chaque jour pour moi dans pays moi dit ça me dit si m'ta arrêté nos quatre circonscrits pour me parler aussi comme si beaucoup aller vers incapacité etc. moi j'ai plus que un an m'a dit mais un dossier que moi en tant qu'haïtienne m'a bien toute résumé pour me payer dans pays qui c'est par exemple Petro-Caribe journée jodi moi vrai connait qui ça passé dans même période ça grand pile l'autre bagaille qui fait qui montrait que si bon volonté politique pour adresser de série de dossiers dans pays, il n'y a pas adressé. Mais là, la justice tourne un instrument en dans des séries de même monde, justement, qui seulement après les mêmes gens nous disent des intérêts ou bien des dossiers personnels au-delà de propres intérêts population, ça montre clairement que monde, je veux dire que nous avons dit que nous parlons dans tes pays, c'est nous qui avons clété tout un système pour nous jouer une reddition de compte, pour nous finir avec corruption et impunité, finir avec une capacité et gouvernementale qui allait pratiquement dans le sens contraire de sa population en besoin pour vivre au jour le jour. Donc, je pense que, au-delà du fait que nous avons parlé de yon international et même, je dis peut-être américain, c'est notre cité, yon article qui fait sortir, qui soude depuis longtemps à toute son population capotée et tout ça que nous capables questionner, tout dans la méthode, ça peut-être nous capables faire après. Le fait reste de mieux que journée aujourd'hui, bien de ces deux barres qui sont de grande inquiétude, nous avons parlé de dermalogue, par exemple. Maître André Michel Sodi qui j'en ballon poste électoral, moi même j'ai pile inquiétude. Journée jodi en tant que jeune par rapport à n'importe ça qu'a fait, journée jodi avec même propre identification man dans pays. On pas qui ça qui identifier man dans pays en journée jodi et sur qui base moi identifier. Journée jodi à partir de 31 décembre, moi j'ai capable de parler sur qui base parce que même voilà dans pays même propre existence en tant que citoyenne, yon décision prend pas compte sur qui base que moi identifier à partir de janvier 2020 en dans pays et pas nous mon en face moi qui ca au-delà de la corruption les puis dit pour qui ça que journée jodi hein quatre sacs supposé identifier en tant que citoyenne dans espace que m'a vivre là pour qui ça c'est lui même qui identifier et qui gens que si m'ra dans élection bien n'importe l'autre processus qui va influencer ça qui va faire plus devant donc nous pas qu'à faire comme si tout le monde supposé était soudé à ça et aller vers tout simplement OK oui nous va monter au gouvernement oui nous va non c'est pas ça l'inquiétude est beaucoup plus que ça et inquiétude yo peut-être multidimensionnel même Jean ingénieur Pradel t'a dit et qui j'en nous qu'a avancé si pas j'en gagne réponse par rapport à ça. Mais quand même, à côté de tout ça, et mademoiselle et madame Nazia, Pascal Dia, l'inspire, moi c'est vous. Bon, bonne inspiration. Jodia, vous t'avez dit ça? Exactement. Vous t'avez dit ça? Jodia, faut nous commencer à inventorier, identifier les complices de Jovenel. Parce que nous, identifié ou déjà sur le plan international et tellement identifié nous fait la séparation entre l'international et les Américains. Donc je dis à me penser il y a des monde dans le pays à faut identifier sur le plan interne moi même dis les secteurs mais sur le plan interne il y a des monde pour l'identifier
Parce que je dis, la CAE pas mandat Sénat, qui pour moi-même, qui c'est où va passer, moi que Cantave, de l'Artibonite, c'est moi-même dit président Cantave, moi Gary, l'a retourné avec un bagage, il va parler avec Jovenel. Trois pouvoirs. Avec les trois pouvoirs. Donc, son identifiant. Et en même temps, même au niveau de la police, il y a des gens qui sont identifiés. Dans tout secteur, il y a des gens qui identifier. Pour les bagages à la fête, je ne vais pas répéter les expériences de Duvalier, pour ne pas dire, je ne pas comprendre, je ne pas connaître. Donc, il faut identifier les gens. Parce que c'est eux en tant que complice qui empêchaient. Et lutte la livrance pour l'empêcher et séparation ça a fait pour l'empêcher et changement ça a que nous besoin faire en pays. Donc faut identifier tout moun sa yo et moun sa yo de tout côté yo dans les partis politiques yo en dans la police là faut identifier yo en dans secteur privé à faut identifier yo en dans société à faut identifier yo. Si d'accord à 100% avec l'honorable sénateur Jacinthe, pour identifier toutes les qui constituent un handicap pour l'avancée et de cette jeunesse, moi c'est tout pour nous capables, je dis, essayer de comprendre qui raison porter président Trump, l'université non, fait alliance avec ou volé, avec ou criminel. Avec une qui n'a aucune référence qui pouvait que vraiment il a gouverné le pays. Ou trop en corruption, oui. Oui, la corruption, c'est ouais, ouais. Donc, pour ces jeudi, c'est très très important pour nous, pour nous chercher qu'on ait qui raison. Parce que moi-même, par raison, je ne suis pas capable de supporter un nègre comme président, je vais le comme. Est-ce qu'il y a une volonté manifeste sur le président américain pour punir ce peuple et le condamner à la mendicité? Mais au-delà des frontières, tout pour l'assembler à l'autre côté. Mm-hmm. Et c'est ça qui fait que moi-même parler d'identification, ça. Parce qu'en Haïti, gonsé de monde, malgré ouais ou pas vle quoi, malgré toute analyse que nous sommes fait là, que nous fait déjà, mais ou pas vle quoi. Parce que, attention. Parallèlement à l'identification, il faut voir, parce que le deuxième de l'affaire aujourd'hui, c'est le président américain. On est là. Non, c'est pas. Écoute, les joignent des caisses de résonance en Haïti. Les joignent des mondes. Il y a toujours ça. Est-ce que vous comprenez? Les joignent, c'est monde ça pour identifier. Parce que nous identifions l'étranger déjà. L'étranger nous dit c'est les Américains. Nous pas dit c'est les Français. Nous pas dit c'est. Et pas que trop bon, non. Mais là, ça n'a pas fait là. Ils sont clairs, ils disent c'est pas eux. Yeah. Donc, je dis, en Haïti, en un cas, nous faut identifier les gens. Alors, parce que nous sommes pas long bagaille là, nous sommes dit tout secteur, toute identité, tout monde en d'un pays, tout monde net, tout secteur, ou pas bon secteur, ou songez dernier dialogue, ou dernière invitation président de fait, pas que personne qui devine la donne. Nous te dit même Ronnie Deroche, on dit même André même Ronnie Deroche parle. André, où avez besoin de marrer. Mais c'est vrai, c'est vrai. Même Ronnie Deroche parle. Bon résidu qui refusait que ce soit et qu'a fait complice. Et qu'a fait complice. Et c'est ça qui est belle là. Et en même temps, moi-même, fais appel. Parce que je vous dis, c'est vrai, oui, nous dans la rue, nous tout secteur dans la rue. Mais bon, c'est de monde nous parler dans la rue. Bon, c'est de monde nous parler dans la rue. Malgré nous marcher à parler avec vous, malgré nous marcher à dialoguer avec vous, à expliquer vous, mais nous parler dans la rue. Vous ne pouvez pas prononcer vous. Nous, ça, il faut identifier vous. Parce que 217 ans, nous ne sommes pas capables de rester dans la question ça toujours encore. Tout le monde prend conscience. M'a rappelé mon ami. Nous t'es allons rencontre avec Jovenel. Laisse ça, nous t'es sénateur. Moi-même, oui, Mando, pour que ça nous paraît faire là. Pour que ça nous paraît faire rencontre ça. Merci, Mandel. Jovenel. Laisse ça, nous t'es sénateur. Nous dit président, après que nous finissons première séance, nous dit président,
faut qu'on bagaille. Ah, il y a des amis qui ont dit dans la presse, tout, et il y a 10 secteurs pour identifier. La presse a tout, hein. La presse a tout. La presse a tout. La presse a tout, parce que je me la donne tout. La presse a tout. Nous dit, président, après accord, après rapport et coup des comptes, ah, nous pas capables de classer rapport, non? Faut que nous mettions en discussion. Le président dit non. Non. Faut nous voter pour nous refuser pour nous classer. Et c'est le ça. Et c'est le ça. Et c'est le ça. Alors, après rapport Yuri et rapport Beaublanc, nous allons discuter. Monsieur invité, nous allons discuter. Monsieur dit faut que nous classer et faut nous voter pour nous classer. Et les ça, Yuri lui-même, en tant qu'il était président, non, qui est Lambert qui était président. Oui, Yuri était président de la commission. Il faut nous voir la Cour des comptes. C'est celle-là qui est capable de faire président. C'est dans la Cour des comptes, c'est lui-même qui l'a pour les faits derniers et choses. Mais ça se comprend. Ça se comprend. Parce qu'il connaît très bien que l'été en dedans la POA. Il connaît la Cour des comptes, mais qui s'abra le joindre. Est-ce que vous comprenez? Donc, je dis, malgré tout ça, malgré tout ça, ou joignent des complices, ou joignent des mounes qui lui-même voulait faire le complice à président pour l'entraver bonne marche pour, je dirais, troisième république, ça que nous voulons faire pour nous redémarrer et refuser de faire. Ce combat est oublié. Non, comme on commence en avant, oui, je vous cède la parole. En question de fond, oublié. Il y a une différence entre le combat politique d'aujourd'hui et l'autre bataille qui menait déjà pendant les 25 dernières années. Bataille aujourd'hui, son bataille qui a mené son question de fond. Question de fond, c'est casser un système. Mm-hmm. Et franchement, ça fait peur. De déranger un bon groupe rétrograde en Haïti, de déranger mon tout côté. Parce que, bon, grand pile réunion qui fait avec la communauté internationale, nous arrivons à la conclusion au niveau de Ciaté Alternative, si la principale revendication, nous, c'était seulement faire Jovenel Moïse, aller, Jovenel d'aller déjà. Et quelque part, je veux rendre hommage ce matin, à un série de monde qui prend des responsabilités. Si c'était un combat de façade qui t'a mené là, et ton seul la question de 3000 mètres, retirer Jovenel, mettre un gouvernement, en garde comment on a fait l'aller, dans 5 mois, dans 6 mois, dans 9 mois, dans 12 mois, si c'était seulement ça, Jovenel t'aurait tombé déjà. Mais nous dit, bataille aujourd'hui a une différence, parce qu'il y a la vérité. Ce n'est pas seulement une simple question de renverser un président qui est mobilisé pour pas ici aujourd'hui. Peuple a mobilisé dans la bataille contre la corruption. Peuple a mobilisé dans la bataille contre l'exclusion. Peuple a mobilisé dans un discours qui dit nous allons casser un système d'exclusion qui est en place depuis plus de 200 ans, qui s'y maillemisait dans tout pays, qui mettait jeunes sous côté, qui mettait femmes sous côté, qui mettait couches populaires aux paysans sous côté, qui mettait diaspora à l'écart. Et qui permettent à une oligarchie en minorité de s'accaparer de toute la richesse nationale. C'est ça la question de fond. Et c'est ce discours de fond qui a mobilisé le pays. Et monde quand même, quand je vous en série de rôles aujourd'hui, que ce soit au niveau de l'opposition ou au niveau de la société civile, quelque part, ils ont été attachés à la revendication ça. Et dans la rencontre que nous faisons avec l'international là, nous pas jamais voulu résumer la bataille nous, à un simple fait de faire Jovenel Moïse aller. Et je crois. Discours ça a dérangé, même quoi, c'est le vrai chemin. Il ne faut pas tomber dans la facilité. Si nous avons choisi la stratégie facile, la voie facile, nous devons ni retirer Jovenel, pour nous chercher un monde pour nous mettre, faire une vieille cohabitation, nous mettons un vieux premier ministre là, après qui prend le président, et puis c'est même nous voulons encore, le problème n'a été résolu déjà. Mais là, nous avons une question de fond, et quoi, nous avons pris la voie qui n'est pas la voie facile, mais c'est la bonne voie. Et je pense qu'il faut arrêter la dernière, il faut donc insister avec le support de la population, de tous les secteurs de la vie nationale, pour nous arriver à une victoire politique qui pour permettre que nous casser le système dans tout le bon vrai. Parce que si c'est Jovenel Moïse, nous renverser seulement, nous pas arriver à permettre
que les questions de fond yo posé à travers une conférence nationale nous dessiner, nous définir la nouvelle architecture de la société haïtienne que nous voulons, nous voulons l'État, nous voulons l'État capable de garantir sécurité de tous les citoyens, qui est capable de créer conditions pour investisseurs étrangers et haïtiens investir dans le pays, pour jeunes aussi suspendre une partie de pays, à le passer misère dans l'autre pays. On l'État qui est capable de garantir la souveraineté pays, si ce n'est pas ça qu'on nous pose, nous perdons du bataille là. Et nous avons toujours dit ça, cette transition doit être la dernière, et au cours de cette transition, les questions de fond doivent être posées. Et même si nous avons pile résistance, c'est normal, c'est la résistance au changement, mais il faut y aller, il faut continuer, il faut insister, il faut persister, et avec et ce consensus que nous avons joint dans la société civile, dans le groupe politique, moi je crois que nous avons privé une victoire politique de fond pour nous, non seulement retirer Jovenel Moïse, qui c'est le principal chien de garde de ce système, mais nous avons privé vraiment poser les questions de fond. Et je crois, si c'est une question de voir Jovenel Moïse aller déjà, problème n'a été résoudre parce que vous présentez nous n'importe 40 solutions déjà qui montraient, on fait monsieur aller comme ça, on nous fait le retour là. Mais quelque part, je dois féliciter celles et ceux qui ont résisté à cette proposition de solution facile et qui rétait nos logiques de combat de fond. Et pour que c'est ça que pays a besoin, quel que soit le temps nous prenons en combat, nous faisons une victoire totale, une victoire solide. Oui. Je peux intervenir. Et bon, d'abord, je félicite l'ingénieur Pradel ainsi que Pascal parce qu'ils font belle ramassée sous sa crise là, est vraiment. Moi-même, l'on dit son crise totale. Et ça m'apprécie dans ça, Pascal dit, à ce que pointe question corruption. Parce que crise, ça, son crise qui a couvé depuis longtemps. Il t'a éclaté quand même au moment. Mais le mot corruption, là, il parlait de corruption, d'accord avec, parce que je pensais que c'est ça qui vient le dernier goutte d'eau. C'est ça qui mettait le feu aux poudres. Parce que corruption, quoi qu'elle existait déjà, pour moi-même, c'est la première fois que corruption affichée avec telle arrogance. Il prend la rue. On fait la rogueuse parce que déjà, il y a pas qu'on était bandit légal, non, vous comprenez, il y a blaïté quoi, blaï question et corruption. Donc, on pense que c'est ça qui connaît après provoquer éclatement. Mais crise est à prouver, elle t'a pas l'éclater. Il descend l'éclater de toute façon, il même vient provoquer ça. En plus, il n'y a pas ni étoffe ni légitimité. Il n'y a pas à la mesure des défis qui se posent à Haïti maintenant, mais il n'y a pas à la hauteur tout de résoudre crise ça. Il n'y a pas capable, ils n'ont pas l'étoffe. L'autre bagaille là, c'est que vous parlez de légitimité, tout puisque vous accusez. Et c'est pas le même dire accusé. Et pour moi, nous avons contre Jovenel Moïse. Mais il y a une institution haïtienne qui fait des rapports. Vous dites combien de fois nous avons cité 69 fois, mon Dieu. À la plus. Non, et beaucoup plus. Je n'ai pas fini. Et maintenant, on parle. Il manque 25%, il faut le rappeler. Donc, nous n'avons pas besoin ni de mauvaise foi, ni de personnel, personne, pour nous dire voilà ce qui est. C'est un constat, fait par argumenter, institution haïtienne, cour des comptes, montrer tout le bagaille. Donc, nous pensons que c'est le dernier goutte d'eau, ça, c'est le dernier bagaille qui mettait sur les derniers flammes, qui mettait le feu aux poudres. Mais, le deuxième bagaille que je devrais dire, c'est que. Par rapport à l'intervention du sénateur Jacinthe là, qui a persisté sur identifier Moun, moi-même pas dit que faut qu'on soit vigilant par rapport à Moun. Même pense que ce n'est pas sous ça pour insister. Parce que j'en dis crise à total là, c'est une crise structurelle. C'est là pour aller pour essayer de résoudre Bayo. Parce que même l'homme est tout volé, ou côté que des structures, ou côté que l'institution marche, ou qu'il est volé à eux. Ce qui n'est pas souhaitable. Je finis à l'instant. Oui, alors ça, mais pour me cap fini, moi je dis que faut que nous pas attendons nous sous question de monde. Parce que nous sommes le faire diversion. Ouais, ça pour nous chercher, j'en dis à la crise profonde, excusez-moi. J'ai dit qu'il faut être vigilant.
Mais ce n'est pas moun nous pour cibler pour juste faire la chasse aux sorcières. Non, pas non, 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 c'est pas ça. Excusez-moi, mais je m'exprime. Je m'exprime. Je m'exprime. Je suis d'accord parce qu'il faut être vigilant. D'accord, il faut que nous vigilons. Même dit qu'on doit aller là. Non, le alors ça, 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 elle voulait dire, il faut qu'on a qui faut soit gommé. Il faut qu'on s'en adversaire, il faut qu'on aime. On a le travail sous structure. On a le travail sous structure. Pourquoi j'ai besoin de mon dos? Pourquoi j'ai besoin? Parce que l'on a une situation ça, une situation chaotique. Pourquoi j'ai besoin? Tout est à terre. Tout bagarre net. Vous permettez. Pourquoi j'ai besoin? C'est une structure. C'est ça. Pourquoi j'insiste? Parce que là, on a zéro. Il y a des bagailles peut-être population par contre. Public là par contre. Nous-mêmes, dans l'opposition institutionnelle, dans l'alternative, nous prenons bâton pèlerin. Nous n'allons pas là tout le monde. Il y a des bagailles publiques là par contre. Nous n'allons pas là tout le monde. Pour expliquer yo, la situation ça y a vivre là, de corruption et de corrupteurs ça y a vivre là, li pas beaucoup commerciaux, li pas beaucoup entreprises, yo, yo pral fait plus l'argent, jodi a obligé à dépenser pour sécurité. Nous à l'expliquer yo, yo pas comprendre. Mais en même temps, m'a profité pour me dire, c'est pour la première fois, madame Pascal Zodon Bagay là, que nous dit avant, nous expliquer. Il fait du jeu. Non, ah mais bien sûr, parce que ce n'est pas lui-même, c'est ça le dia. C'est pour la première fois dans notre lutte de peuple que nous allons jusqu'à 1991, nous t'entendons, nous t'es dit, nous allons écraser l'esclavage là pour nous faire, il faut nous entendre nous. Mais nous pas dit, mais qui société que nous allons faire après. Mais c'est pour la première fois aujourd'hui. En même temps, nous dit faut nous entendre nous, mais ça ne parle pas. Mais nous dit, mais qui société que nous voulons mettre pour payer. C'est pour la première fois. Pour la première fois, l'on prend toute lutte qu'on passe, que les ou sorti dans l'esclavage, ou sorti dans 1804, ou sorti tout côté ça, ou sorti dans 86, c'est pour la première fois que peuple haïtien en entier gon entente qui fait qui vous dit, moi parle ça, et mais qui société que nous allons faire. Nous parlons avec feuille de route, nous disons, mais qui gouvernement. Et en même temps, nous sortons avec une feuille de route pour nous dire, gouvernement ça nous va le faire, transition ça nous va le faire, transition de rupture ça, mais combien de temps n'a fait pour implémenter ça que nous-mêmes nous voulons. Donc c'est important. Donc dans ce sens, ça a même pensé que si nous identifions aujourd'hui en clair, parce que aujourd'hui nous ne parlons pas d'international encore, nous ne parlons pas de blancs encore, nous parlons des Américains, nous parlons de Français, nous parlons de Canadiens, de nos amis. Nous dit monde qui parle les questions ça les fait là secteur international là mais secteur lié donc je dis il faut identifier secteur la caille nous malgré tout ça qui fait là qui empêchait que nous avancer avec transition de rupture que nous besoin faire là de changement ça changement de système là. Donc il est important pour identifier m'a dit une chose Jovenel défend première invitation il va prendre mais je dis ils font l'autre invitation à secteur privé là. Yo identifié yo. Mais pour qui ça, en clair, malgré parler, ne parler avec yo, malgré discuter, ne discuter avec yo, on dit ça ne va le faire, c'est pour yo la pibon, parce que c'est yo qui plus gros entrepreneur dans le pays. Qu'est-ce que vous pensez? Pour qui ça? Et puis je dis à yo recommencer encore pour y avoir l'argent, est-ce qu'on comprend? Pour y avoir l'acheter et pour qui ça? Donc, nous identifier, même gens que nous identifions l'international, parce que ça, vous ne comprenez pas. Jodia, c'est Vob. Mais vous tout avez un contrat avec l'État. Jodia, c'est Vob. Et, bagala, tu commences sous Duval, presque même gens. Et au fur et à mesure, il n'y a pas même monde pour le parler encore. Hein? Donc c'est ça qu'a fait là. C'est ça qu'a fait là. Donc il faut les identifier et en même temps. C'est pas eux. Et c'est pour ça que mes systèmes sur cette identification et j'ai fait appel à tous les secteurs de les identifier. Nous avons besoin de davantage. C'est un principe stratégique là. C'est un principe admis. Il faut identifier mon réflexion. Le vrai général, quand il va à la guerre, la première chose qu'il fait, c'est une estimation des forces adverses. Pour qu'on ait qui bon pour mettre le coupier, qui bon pour l'aller, qui vient pour l'attaquer. Donc ça, c'est très important. Mais la seule chose que je dirais, outre l'identification de nos ennemis à l'intérieur de ce pays, mais il faut aussi que nous retrouvions, ça me tenu à l'île très important, il faut nous chercher ensemble
qui raison fait trop à supporter Jovenel? Je fais deuxième fois, je dis tout à l'heure. Je m'a dit gouvernement américain, non? Parce que, en fait, entre nous soit dit, on est qui trappé un crime, non pays démocrate, on est qui, dans tout ce qu'on n'est pas bon le pays, défini pour supporter, mais c'est une leader. Qui va nous prendre dans ça? Donc, ah ouais. Nous avons une. Ils ont religieux qui parlent. Hein? C'est un religieux. Trump sont leaders. Le peuple américain, je dis à ouvrir un pitch lui. Je ne veux pas. C'est ça. Je ne veux pas que tu prononces. Tout le monde qui semblait, il y a rassemblé. Malheureusement, c'est lui le président des États-Unis actuellement. Malheureusement. Et c'est lui-même qui semble à Jovenel. Parce que tout ce que Jovenel fait, pour le arriver à la présidence, malheureusement, aux États-Unis, il fait tout. Et je vous dis, Mais entre nous, soit dit, c'est pire avec ce bonhomme qui est un investisseur, qui est businessman. Il y a un intérêt économique là qui fait attribuer les gars. Quels sont ces intérêts économiques? Il faut aller à la profondeur des choses pour nous retrouver libres, pour nous comprendre ce qui a passé dans le pays. C'est l'origine qu'il faut comprendre. Ma quoi, c'est l'intérêt économique? C'est l'intérêt des États-Unis, malheureusement. Pas seulement l'intérêt des États-Unis. Il faut aller dans la famille, il faut aller dans l'origine. Parce que si on a comparé Nixon avec Trump, tout problème que Jody a parlé d'impeachment, Nixon, qui lui-même ton président, qui a une certaine moralité, mais il est arrivé au moment, il n'a pas fait tout le temps ça, non? Et fait pour le dériver comme président, et ça l'a fait là qu'on y a. Mais il est arrivé au côté, il dit attention, je suis le président. Après, il ne voulait pas aller encore. Ah oui, je suis le président. Donc, ça qui passe là, c'est moi qui fais. Donc, il était obligé, avant même qu'il y ait une pichelée, il était obligé de démissionner. Mais, ouais, comment monsieur lui-même l'a persisté? C'est une question d'origine, c'est une question de famille. Parce que toute économie, tout l'argent, tout pouvoir, ça y est, comment le faire? Donc c'est là l'erreur des Américains, qu'il y a le pour le monde, qu'il y a le contre-jour, qu'il y a donc on y a, il semblait tellement dire que faut le supporter. Parce que fondamentalement, intérêt à l'invasion de Venezuela. Non, il a dit non. Ah, qu'on est en mettant transition là. Le sénateur qui premier sale saute fait. Qui premier sénateur Jacinthe a cité, a été très clair. Il faut trouver les causes de cette origine. Comment non, je ne crois pas. Il y a besoin d'un président qui a fait 4 volontés. Quatre volontés. C'est ça. Venezuela a voté. Il n'y a pas besoin de qui histoire. Venezuela a voté, li joigne. C'est clair. Quelle non transition le papa le joigne on amène là bas le joigne André Michel ou Osmond Pradel qui parle d'accord d'il renier toute histoire de coopération qu'on gagne à Venezuela pour plaire Trump. Non, les gens ont monde qui a fait pour lui et puis ils parlent séparés et contrairement à ça on dit qui liaison pas quoi Donald Trump besoin liaison à Jovenel. Bon, à trop fort. Il besoin juste un monde pour le passer. L'autre, il ne peut même pas laver le direct. Non. Ça, c'est un. Depuis deuxièmement, où saute dit tout, où saute dit, il a supporté le conseil et puis même l'argent, il n'a pas balé. La différence, c'est que même sous le gouvernement, il y a des ordres, mais le peuple américain n'a pas expliqué n'importe qui bagaille. Avec dit, pour bailler comme en Haïti, il y a tout un processus. Non, il n'a pas expliqué seulement. Il faut un processus, il faut un gouvernement légal qui est là, qui investit, etc. Ce n'est pas une caisse noire. Tu prends comme vous voulez Haïti. Il faut qu'il y ait un budget voté, un gouvernement légal qui passe dans le Parlement. Comment il y a le bon l'argent? Il y a un donc, ouais. Donc même là, pas quoi une femme, mais tu parles de tout bas, ça, le besoin au monde là, on t'y esclave, il passe l'autre l'élevé, etc. C'est ouais, juste ça. Ça me devait dire, Bob, on regarde l'histoire pays ça. Gouvernement, pouvoir américain ou pas, je ne supporte aucun gouvernement qui pas faible, qui pas corrompu. Oui. On regarde vrai. Pour qui on soutenir de pouvoir qui vient travailler pour payer. Au contraire, si vous venez travailler pour payer, c'est le ça qui a cherché. Bon problème, c'est le ça qui a cherché. Retirez-vous. Exemple là devant, Bolivie, tout de côté. Bolivie, c'est la même chose. Oui. L'Obre Chavez, c'est encore la même chose. Donc,
nous femmes comprennent le mode de fonctionnement de ce système. C'est un système que grosse zone que gagne un pays qui arrive à un niveau d'hégémonie tel que ces lois parlent lui fait passer. Donc pas aucun pays dans l'Amérique là qui sont pas en harmonie avec et pouvoir ça qu'il pas déstabilise. Yeah. Le seul exemple que j'ai là pendant les derniers temps, c'est à Cuba. Et Cuba est arrivé à résister parce que l'idée non contexte géopolitique mondial avec la Russie et d'autres, un monde qui était divisé en deux, oui. Donc c'est la Cuba, bipolaire, qui était servi avec lui comme un vecteur face à pouvoir américain qui fait elle tire intérêt là-dedans, oui. Donc qui fait que effectivement que Cuba avec Kembe est arrivé Kembe. Yeah. Mais gardez l'Amérique là net et encore moins Caraïbes, vous êtes de petits pays. La crise des missiles, bonne raison. Voilà, bonne raison. États-Unis se font mémise, ils font mémise sur tout pays ça yo, et c'est eux dicter en quelque sorte orientation. Donc un pays pas loin, un garde pays pas loin, pas aucun pouvoir. Qui était venu avec des idées claires, en progressistes, en faveur de la population, que on va renverser. Ouais. Clair. C'est pas seulement en Haïti, non, mais au Canada, dans toute Amérique latine, non, et dans l'autre pays caribéen. Ouais. Donc, on va même soutenir des pouvoirs populaires. On va même soutenir des pouvoirs progressistes. Progressiste. C'est toujours des pouvoirs fermes. Même Lula. Tu vois même Lula, oui. Donc, gros pays, encore. Donc, gros pays. Oui. Donc, c'est ça pour me comprendre. C'est-à-dire, orientation paysan. C'est-à-dire, et maths fabrique politique que le développé, c'est encraser petit pour nous cavine plus riche. Mais son bagage qui, tout à fait, son controverse. Son controverse. Pas, le juin, tu as parlé d'intérêt économique. C'est pas situé là, on va parler de Trump qui investissait, c'est pas ça. Il y a l'autre aspect là-dedans tout. Et si on dit à parler à Trump, il y a impérialisme américain. Non, même de son monde. Oui, ça me dit, pour ne pas comprendre que c'est intérêt Trump. Oui. Dis qui est ce gouvernement qui tape des fonds de population ou te voyez au soutien. Au soutien du allié. Au soutien du allié comme dictateur qui a écrasé, brisé, etc. C'est mode pouvoir ça que vous soutenez. On met chercher l'histoire pays à l'histoire pays à comme ça. Et 2004. C'est depuis l'existence de notre nation. Et puis 2004. Mais c'est ça, oui. Nous regardons. Depuis 2004, vous mettez là l'index. Et Paul Moral très bien expliqué, une nation cernée par la suspicion internationale. Est-ce que nous connaissons Depuis le début, depuis nous faites, ils ont dessiné toute une politique pour zone ça. Haïti son zone qui a baillé main d'œuvre, Cuba. Mais on va pour précéder. Pour ne pas prendre comme fatalité. Ah oui? Oui. Nous avons plusieurs fois nous renverser ça. C'est exactement ça. Nous renverser ça. C'est pour ça que les autres ont dit faut aller chercher comportement ça ou bien acharnement ça contre les Haïtiens beaucoup plus loin que ça. Parce que nous, c'est un fils deal dans l'Ivlia, Haïti mal placé sur le globe là par rapport à positionnement par rapport aux États-Unis. Parce que bagaille nous t'est fait. En 1804, là, quand on a cassé l'ordre. Un défi, une anomalie. Pour casser l'ordre économique mondial, eh bien, on va payer ça. On va payer. C'est ça. Et puis on fait les États-Unis cadeau de notre dos. Non, mais c'est un bon plaisanterie. La conférence de Yalta. Alors, on divise le boulot de chaque compagnie, etc. On l'a pour Américains, la France. Tout votre respect. Dame, faut cette intervention-là. Après. Écoutez. Moi, je suis débat avec beaucoup d'intérêt. Nous allons exercer cet intellectuel de droit international, de relations internationales. C'est important. Par exemple, moi-même, ma génération. C'est important. En 86, moi, j'étais jeune, fini sans inagé. Moi, fini. Donc, ces générations, et qui m'a allé. Si vous prenez l'histoire pays, d'ailleurs, Haïtien pour Haïti, nous produisons un document qui est intitulé 32 ans d'échec mirage dans l'arène politique haïtienne.
Alors, nous faisons grâce pour ne pas prendre 804, 806, pour ne pas connaître les bottes d'assaut, les États-Unis, ça, là, faisons un exercice intellectuel, etc. Mais ma spécifique, je veux dire, mon capitaine de nous là, je veux dire, nous, on a l'État qui est effondré. Nous, on pays, comme si je vous remets ça, que tu loques. Et l'école va l'ouvrir, il y a des jeunes qui viennent. On bac, non mais pas de bac encore, les femmes de bac, on bac, deuxième bac, on a eu, qui a besoin de l'université, il y a des gens qui sont à l'école, professeurs, etc. Moi-même, mais ça est important pour moi. Très bien. Je vais regarder et on prend, il faut une long story short quand j'ai américain. On prend 2004 à 2019, 15 dernières années pays. 15 dernières années, VIA m'a rappelé l'événement Jean-Bertrand côté ces forces spéciales des États-Unis d'Amérique, qui dans la CALI, qui documentait, t'as le prêt. Moi, classe politique traditionnelle, ok, qui participait et capri, c'est pas passé devant le Parlement, et le PM, non encore KINAM. Ok. Et moi, des acteurs qui étaient là en 2015, c'est même quatre figures là qui là, c'était problème et sénateur, dans la rue, opposition institutionnelle, quelque groupe d'assistes, à that time. Et même moi, ces classes politiques là avec, d'arriver, de manière vulgaire, son cartel politique. Un cartel économique avec un cartel diplomatique qui gagne dans le cas qui nous concerne. On nous regarde les cartels et diplomatiques là. En 2004, 12 000 soldats entrent dans le pays d'Haïti avec 5 000 policiers. Ils ont créé un mécanisme supranational qui est le corps groupe qui est là-dedans, nous représentons le secrétaire général des Nations Unies, OEA, etc. Moi, la classe politique, ça a participé dans toute élection qui a monitoring par cartel diplomatique là. IFES, etc., USAID, qui va encore, etc. Bref, et je regarde le cartel et économique là. En pleine Première Guerre mondiale, les États-Unis débattent un pays en 1915, 1914, nous faisons 19 ans colonie États-Unis. En 34, l'année, si vous prenez 1915 à 2004, c'est 105 ans. Mais ma prédit, on long story, coûte 15 dernières années, moi, l'État a commencé à faillir sous ce métro ici. Et c'est même classe politique, ça, je vous dis à la. Et je me rappelle, et classe politique, ça, et nous créons le Conseil d'État, et nous allons même pour PM. Non mais il a cherché le bonhomme qui est la tortue, qui finit, il a eu 1 milliard de dollars, etc. Il y a la pompe en Denis, il a fait quelque chose qui a fait coopérative, etc. Mais, entendons-nous bien, mais génération ça de 2004 à aujourd'hui, si l'acte a 15 ans en 2004, il a 30 ans. Donc nous sommes plus à l'ère de la presse analogique, nous à l'ère du numérique. C'est-à-dire, Guélébaga par exemple, et Dame Kelly, Madame Cravini, il va faire confiance de moi, il va trouver diplomatie. Et moi, t'as d'où même qui réagit, Madame Michel. Nous avons réagi après, on a propre là, comme quoi, on va de blago, etc. Et nous avons même position, etc. La grande question pour jeunesse à capitaine, moi, je vais parler, moi, je fais référence à souveraine puissance, là. C'est-à-dire, qui est une force politique qui te prend la rue de manière spontanée. Il y a une jeune qui demande de gouvernance comme si on campait, voler ça dans le pays d'Haïti. Okay. Et voler, il y a une classe syro-libanaise, dont Réginald Boulos, tout. Par exemple, nous posons des documents. Nous toujours demandé contrat léonien, contrat vicieux volé qui fait dans le pays d'Haïti pour camper. Ou regarde le dernier. Et notre position nous sortit, nous très clair, nous, et sénateur, j'ai cet acte de bruit de décision, moi, nous connaissons, histoire montrer nous, de, et, si on libanais entre, sans savoir, ni avoir, ma pays d'Haïti.
Ils battent nous là que dans la durée. C'est l'histoire, c'est l'histoire. Oui, avec ils vont les dire. 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 J'assume. J'assume. Je dis. En 2015, nous passé là, nous avons retrouvé Réginald Boulos avec Capé, avec nos commissions. Il était face à Gabriel Fortuné. Nous avons fait contre Maltaï Sénat, André Strichet pas venu, il dit même. Vous dites que face à Gabriel. Il va, est ensemble. Non, pas qu'on peut comprendre. Il dit que face. Gabriel, tu es ensemble. Maintenant, ça qui est, je veux dire là. Et génération. Mon tante là, qui t'a gagné, par nous gagné, gros tranche sociodémographique dans le pays d'Haïti, 15 à 50 ans, je veux dire là. Nous gagné une 0, 14, 51 et plus. Même dans 51 et plus qui va aller là. Génération par nous, nous te font, on, ça nous te baille, l'un des étudiants. Nous baille, la constitution 1947 là. Ok? Et pour sous Matéli, c'est vidéo, société civile à privé, il vient de président de pays, à la vidéo, etc. Il y a des rapports et de bonjour, bisbonjour, comme c'est la tête de bail, il va jamais, etc. Mais laissez-moi cette question, mais ça vient, je veux dire. Moi-même, je connais, je veux dire. La bataille qu'a faite là, je veux dire là. Cette bataille. La bataille là. Oui, allez, Haïti par l'Union internationale. Nous sous égide dans ce conseil de sécurité de l'ONU qui a décidé notre pays. Et son réforme constitutionnelle pays, c'est la monitoring par BINU, pas par nous. Et respect, principe, responsabilité de la fonction publique. Deuxième groupe là, il a fait violence, gang armée. Que ce soit pouvoir qui a battu nos âmes, que ce soit classe politique qui a battu nos âmes, que ce soit cartel diplomatique qui a battu nos âmes. Il va résoudre pour ça. Donc, on a capté cette question là, la police. Ce n'est pas par hasard que et nous, hein, ambassade américaine, chouchou, Yodia, c'est la police nationale. Et dans le même manger que en 2004 et tout. Vous savez, je vais dire ici de nous parler de droit, car nous sommes chef de la police. Finalement, là, ici d'aller, ben, on je suis Pierre, aussi dame, qui était juge. Bref, nous avons une question de la police. Question, nous avons un chef de police des Nations Unies qui a cité ensemble avec Normil. Dernier groupe là, nous avons fait droit de l'homme, puisque la police, assassinat, suite, t'es fait. Autrement dit, puisque moi pas gagné, nos partis de rupture de 2004 à aujourd'hui, qui n'ont ni discours, qui gagne ni en leadership, ni en cadre organisé. Moi, pas avoir caché des mon petit peuple à vous monter, non. Moi, je sais dire où j'ai parti. Moi, je connais limite, non, pas même une passerelle institutionnelle avec jeunesse ça même. Il va quoi, nous? D'ailleurs, génération par nous, on lit Western Bay déjà. C'est la faillite de l'État, c'est la corruption, c'est le vol, etc. Marine de France, Jovenel, là, on parlait tout à l'heure, comme quoi, t'es bien dialogue. Par exemple, nous tenons un groupe marché contré. J'ai l'habitude de siéger avec notre ami, le seigneur Rousseau Moradel. T'es bien rencontre qui t'a fait, etc. Dans le palais national. Y aller, n'aller tout. Des gens qui étaient attentes. Puis les points apprécient en ville pour dire PM numéro. Ok? Et de fait, ça va faire consacre aux appels à dire. Donc, le secrétaire exécutif national partisan, effectivement, lui, pas nous sommes opposition. La CER, Haïti pour Haïti, nous sommes dans l'opposition. Mais moi-même, opposition à Pierre, ça opposition à avec Zama la même, moi crois que quel que soit le cas de figure, c'est un dialogue pour lier. À moins que nous menions la question ZAM,
Et c'est après j'ai fait toute philosophie ça. On y t'a dit son fini. Et là, c'est pour que nous tournons vite. On a fait un géopolitique mondiale. Ou le dialogue pour fini. Non, c'est ça qui est intéressant. Mais c'est ça, non. Mais là, son rêve, il a tout débat. Il y a un dialogue, on va apprendre un constat. Tout pour nous être clair. Jamona, c'est clair. Nous parler assez. Non, on parle assez. Nous-mêmes, non, on parle assez, nous comprenons. Vous permettez, monsieur Lasserre. À la différence. Nous, tout côté. Nous, un pays, des gens qui besoin à l'école, qui des demandes de gouvernance, des manger, des crises humanitaires, prison, qui des problèmes sérieux dans le pays. Ok, Lasserre. Sauf faire Noël des. Je m'en demande la parole, ça fait longtemps, hein, Jamona. Sauf faire Noël déjà. Noël là déjà. Sauf faire Noël déjà. Mais à la différence de où? À la différence de où? Nous faisons constat, nous rentrons dans le processus. Et je dis, parce qu'on parle de dialogue, fusion, ou bien groupe politique, oui, moi-même, tout me dit dans le processus là. T'es un moment. C'est qu'on état dans la crise là, nous te croyons que, et moi-même, de proposer une cohabitation. Pourquoi besoin de chercher ailleurs? Mais à la différence de où, dans le processus là, nous faisons constat, nous faisons inventaire là, et nous arrivons au moment où nous dit, eh bien, bon façon pour le fait, et la façon pour le fait là, nous essayons avec Jovenel plusieurs fois, et où est la dernière en date, c'est la commission où il y avait. Et Evans Paul, il y avait Josué, il y avait Balthazar qui l'a même PHT qu'à le président, ou il y avait, qui est encore, Joisil. Donc, où est que eux-mêmes, la commission de Jovenel, eux-mêmes, ils ont eu démission. Donc, je dis à nous, arrivé le moment, nous dit, Jovenel, pas capable, en d'un résolution, crise là. Jeunesse là à côté. Où est depuis le commencer à où est que la fait même analyse avec il sortit sous même résultat avec non pas son diable nous vivons moment le constat qu'on fait avec ces animaux là avec quoi parler de terre et nous sous obédience l'homme nous fait constat et nous dit Jodia à la différence de où nous dit que c'est là bagayou faut vous faites ou l'autre gens et nous dit mais ça que nous pas voulons et mais ça que nous voulons et c'est là que nous arrivons pas de dialogue avec Jovenel que l'international d'accord avec Jovenel ou non mais nous-mêmes peuple haïtien nous-mêmes les secteurs haïtiens nous dit mais façon n'a pas résoudre crise là et ceci la façon n'a pas résoudre crise là la résolution que nous faisons nous dit il y a une entente Fritz William Babcato il y a une entente pour nous arriver à résolution crise là faut qu'on entende dans toute opposition et avec tous les secteurs. Et c'est ça que fait la dernière en date. Nous fait Mariotte, nous jouons dans tout ça, et c'est l'INA consolidé. Et c'est ça l'offre. Deuxièmement, nous dit, en dans ça n'a pas fait, l'international là, que l'y sauter le pomper,
eh ben nous-mêmes ça que nous voulons, ça pour population voulait, ça secteur voulait, c'est pas l'ONU qui a de sécurité de l'ONU, c'est pas ça le tracé à la monitoring là, monsieur, et à côté de tout ça, la rapetée de tout ça d'hier, à côté de tout ça d'hier, où est toute classe politique là, tout secteur société civile là, où est tout le monde en général, l'église, mais quel que soit l'église, quel que soit le secteur, tout le ça fait du programme, quel que soit le secteur là, mais on saute à mon émission. Ça, oui, on a fait ça. Là. Le droit américain qui est belle. 20 fois sur le droit américain. Soit on est fait là. Quelques machines ou est capable. Les Américains qui mettent tout le machine ou est là. Si éclairci ou est là, c'est nous-mêmes qui d'accord. Et c'est nous d'accord avec éclairci. Et je dis à n'a concerté pour nous comment nous allons recommencer avec. Madame Chérie, merci. Et dans ce sens, nous dit population, madame, nous sommes dit le pas comprendre que gon lâchement gon éclairci que nous débaille ensemble nous bral entrer en dans mobilisation pour Jovenel aller et pour nous paraître avec transition de rupture là et pour nous paraître avec vous l'avez c'est ça malheureusement, je dis, on va passer et passer à côté pour être soit venu défendre Jovenel jusqu'à ce que nous démasquons là. Mais il y a plus passé ou qui vient là déjà et il n'est pas capable. Jovenel, c'est pour du système pourri ça. Donc, nous, si nous ne pouvons pas faire rupture là, pour qu'on rupture, il faut qu'il y ait une partie de rupture. Madame Chérubin. Il faut une offre politique cohérente, conforme à demande de gouvernement. Ok. Non, c'est pas parce que son fils, pas rien à faire sexe. Madame. À chacun son tour de parole, en dehors du sexe, ok? Et monsieur là, c'est un outil, je vais me blier, ça me doit le dire. Oui, parce que je suis très convaincant. Alors, vous faites scandale pour caponner vous. Non, parlez de petite dame. Enfant pour faire intervention, pardon, monsieur Jacinthe. Enfant pour me faire intervention. Non, monsieur Lasserre. On ne dit pas les amis. Monsieur Lasserre. On ne dit pas petite dame. Merci beaucoup. Monsieur Lasserre. Ou à l'école ou qu'on n'a pas de droit de dire la petite dame, regardez ça. Non, pas de droit de dire sa familiarité. Non, il n'y a pas de zami ou pas qu'on est. Vous avez bien remarqué que le directeur général de la police, pas de droit de dire dame. On tourne autour du pot là. Allez-y. On cherche exécutoire. Bon. Et juste une parenthèse, est-ce qu'on a un problème à Koumounia? Parce que tout le monde qui est intervenu, il dit que la question géopolitique est prise en compte. Effectivement, il ne va pas parler de ça. Jean peut intervenir, c'est comme si que nous qui sommes tabio compte ça dire. Non, je vous demande, je vous dis que est-ce que vous avez un problème? Est-ce que vous trouvez que la question géopolitique n'a pas abordé? C'est comprendre pour qui ça que ou juste bon bref tout est fait intervention alors intervention non j'ai pas parlé je faisais une parenthèse oui d'accord et tout à l'heure il y a un moment de ça que quoi c'est Pascal et puis quoi c'est Jacinthe tout Sorel qui t'a dit que transition ça est différent de l'autre transition peut-être un autre mot mais nous t'a dit ça et moi tout ça et moi c'est important pour insister sur ça parce que fort souvent mon abvini avait intervenu, il dit, ben nous te fais ça déjà, t'es là, nous te fais ça en 2004, nous te fais ça, ça baille, etc. Et que c'est toujours même bagaille, ou transition pas jamais fini. Mais pensez moi-même que transition, ça, c'est une transition qui détermine et décisive. Non seulement parce que, côté nous, il va nous arriver fort en pile, et que nous bien dit que son crise dimensionnelle totale, et donc, faut que, bah, il éclate en l'un, faut qu'on l'un, nous levait, nous dit, c'est assez. Donc ça, c'est un premier bagage. Deuxième bagage, là, c'est que je pense que c'est la première fois que tout acteur politique, monde qui est dans le secteur société civile, même pas une partie de l'élite intellectuelle, a pu engager ensemble. Ils ont dit même bagage, là, ils font une grosse table de concertation, ils ont mis ensemble pour définir côté pays ça doit aller. Moi, je pense que la concertation, ça, c'est un bagage qui est crucial. C'est parce que vraiment, le moment arrivé, nous ne pouvons pas aller plus loin.
Donc ça, c'est un deuxième aspect de transition. Non seulement que crise a une ampleur extraordinaire, son crise totale, ma propre ingénieur Pradel. Deuxièmement, tout acteur senti impliqué. La jeunesse s'engage davantage que d'habitude. Et puis, l'autre jour, le tap dit que nous en place, nous ne pouvons pas avancer, etc. Je me dis, même si nous ne pouvons pas avancer, qu'on travaille comme fait dans les esprits. Et je pense que c'est ça crucial tout. Le fait qu'il y ait tant de débats sous toutes questions, y compris la question géopolitique, question économique, question sociale et tout ça, ce qui fait que qu'on travaille comme fait dans la tête haïtien, dans la tête mon qui pas j'aime de réfléchir sur ce pays, dans la tête jeune, etc. Bah, la vie, il y a une dimension pédagogique tout. Donc, je pense que crise ça, ils sont crise unique et lui déterminante et décisive. Ça, c'est le premier point d'affaire. Deuxième point, excusez-moi pour me tourner sur la question des personnes dont on a parlé. Moi-même, moi, mal à l'aise avec la question, j'en aborde là. Parce que même, on a parlé de la guerre, sur question des terres qui ont joué. Et où est-ce mis en face l'autre? Il va mesurer qui a mouru en face, lui. Il ne va pas chercher qui est en tant que personne. Donc, moi, je pense qu'il faut que nous dépassions la question des de personnes pour nous aller. Parce que vrai, il nous l'a dénoncé là, c'est statu quo. Avant que ces mondes, moi dis, nous ne sommes pas capables de naïfs, nous ne sommes pas capables de vigilants. Même penser que ce système, ce statut quoi, qui est vrai, nous ne sommes pas capables de persister sur personnalité. Parce qu'on prend des exemples, il y a deux exemples qui retenons là. Où tu as parlé de monde dans le secteur privé qui est un Jovenel, bah, comme ça, ok. Dans tous les secteurs. Non, on t'a parlé de secteur privé, t'as parlé de secteur privé de ça. Alors, on t'a dit que quel que soit, même si c'est un secteur privé, ça pourra chercher, c'est pas parce que mon intérêt est Jovenel qu'on va qu'on aille, ou pas qu'on aille parce qu'il va payer impôt. Parce qu'il était en sous-facturation, parce qu'il était en financement d'âme, parce qu'il était l'action mafieuse. Même si on a marché, la Jovenel Moïse, est-ce que c'est suffisant pour dire que faut que. Bah, qu'on est condamné à quoi que ce soit. Soit on va chercher, pardon. Soit on va chercher, ou on va chercher qui ça moun a été fait, qui pas, qui compte la loi, qui ça le fait, qui piétine des valeurs. C'est soit on va chercher. Donc, ça fait me dire que n'est pas suffit pour nous dire tel TDR Jovenel, c'est pour aller plus loin que ça. Et M. Lasserre, tout à l'heure, parlait de Siro Libanais. Le Siro Libanais, il y a un voleur, il y a un mafieux, puis il y a un monde sérieux. Tout. Ouais. Mais pas d'accord pour y avoir fait des. Cibler de monde comme ça par rapport à des groupes, ou à stigmatiser, ou à n'a pas ou même. Alors, ma parole en général, ouais. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Ça me dit, pas comme ça. Non. Et non, c'est important. Sauf que c'est comme Kwamdadou. Vous êtes des mondes clairement. Par exemple. Par exemple. Alors, fonds de placement, on a 20 milliards. Excusez-moi, monsieur, excusez-moi. Monsieur, excusez-moi. Près de 3 milliards, non, mais. J'ai mon amène tout de suite, l'autre. S'il vous plaît, laissez-moi pas de venir développer ça. Moi, on a écrit, l'on parlait des Siros Libanais, et on dit que j'ai été arrivé. Mais les Siros Libanais, c'est pas quelqu'un, c'est des gens qui travaillent du tout, ou pas perspective. Oui, excusez-moi, je suis contre la stigmatisation. Je suis contre la stigmatisation. Excusez-moi, vous voyez ce que vous faites là? Les Siros Libanais, on dit les voleurs. On arrête les voleurs. Ils sont partout, les voleurs. Ils sont partout. Ils sont partout. Monsieur, j'assais. Avec la différence, ils mettent à découvert. Avec la différence, les doux, mais ça lié. Avec la différence, il était là même. Il facilite la tâche. Il balance encore. Il balance encore. La fête, c'est cette différence. J'ai terminé mon intervention. Pour qui ça, c'est qu'on y a boulot, rien d'ennemi. On est qu'on y a 2004. On est qu'on y a 2004. Il dit ça. Non, mais on va capitaliser les frais. Moi-même, je suis d'accord pour continuer à poser des problèmes sérieux, pour aller dans les structures, pour nous vigiler tout. Mais puis, nous avons ostracisé des gens comme ça, puis nous avons stigmatisé des gens comme ça ou des groupes de gens. C'est ça que je suis pas d'accord moi-même. Aller chercher ça, nous sommes d'accord. Québec, nous sommes mariés. Mais non, pas mettre des gens en groupe comme ça, en bloc, et puis on dit allez, je ne suis pas d'accord avec ça moi-même. Moi, j'ai un désaccord avec Mme Chérubin, juste ce point bien précis. Et premièrement, ou pas qu'on a un combat, ou pas identifier qui est de façon. On pense que nous sommes finis à la question. Mais vous n'identifiez pas quelque chose. Vous n'avez pas quelque chose. Vous n'identifiez pour quelque chose. Pour qui ça? C'est ça que nous ne pouvons pas l'identifier. Pas quoi nous pouvons l'identifier. Qui désvalé. On ne peut pas l'identifier. Moi, je dis identifier mon au-delà de la personne. Je ne dis pas qu'on ne peut pas identifier mon nom. Les mafieux, les voleurs sont des voleurs. Exactement. Moi, je dis que nous ne sommes pas capables de poser la question des personnes aujourd'hui dans la situation où nous sommes en Haïti. Qui c'est mon qui est en face de nous? Il faut qu'on connaisse qui est sur nous. On ne peut pas identifier le monde pour nous faire vengeance, pour nous faire revanche, pour nous dire tel monde pas là dans la presse.
mais obligé d'identifier, non souci de combat, non souci de définir une stratégie. Maintenant, là, mais sur quel critère? Tu as un critère, c'est ce que je veux te dire. Non. Je suis d'accord, mais c'est un critère qui va te permettre d'identifier. Tu ne peux pas identifier la personne parce qu'elle appartient à, elle appartient à un groupe, parce qu'elle a une couleur, non, parce qu'elle ressemble à quelqu'un. On est d'accord. Avec quelqu'un qui supporte Jovenel Moïse aujourd'hui. C'est suffisant. Moi, parce qu'on a rien qui j'aime supporter. Quittez-moi fini. Un monde qui supporte Jovenel Moïse aujourd'hui. Par exemple, un monde qui supporte Jovenel Moïse aujourd'hui. Cap balle l'argent. Ouais. Cap balle comme cash. Pour le voir tirer mon derrière barricade. Tirer mon derrière barricade. Voilà. Qui t'aime fini? Non, mais même avant ça, madame Chalubert, nous étions désaccord. Parce que nous disons ça, Jovenel représenté. Nous décidons de supporter. Ça veut dire. Comment? Nous prenons actif, passif. Mais c'est pas supporter le monde qui est en corruption. Qui t'aime fini? Qu'on lui dit, est-ce que le bail comme là pour tirer? Qui t'aime fini? Non. C'est le grand comme là. Qui t'aime fini pour le bail? C'est ma corruption. Qui t'aime fini? 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 Madame Géroubert, non, mais nous mettons le tableau de ça, je viens de représenter. Nous disons. Choisis de continuer à supporter. Soyons d'accord. C'est clair. Oh, mon Dieu. Soyons cohérents. Nous disons Jovenel Moïse, c'est corruption. Nous disons que c'est le chien de garde de ce système d'exclusion basé sur la corruption que nous devons combattre. Nous disons Jovenel Moïse, l'inadère malogue. Nous disons dans Petro-Caribé, nous disons dans le massacre à Saline, nous disons dans le massacre à Foufeuille, nous disons dans le massacre à Tokyo, nous disons dans le massacre à Fête Soubelé. Le tableau est clair. Si malgré tout ça, il y a deux mondes qui continuent à supporter elle, c'est un choix que vous faites. Ça ne veut pas dire que vous faites vengeance sur vous, mais il faut connaître vous. C'est normal. D'accord avec l'aspect ça. Maintenant, deuxième aspect. Même nous, même Cap Bataille, qui dans l'autre camp, moi-même, je ne crois pas dans l'alliance, tout vous c'est d'or. Moi, je crois que dans un combat politique, il faut regarder avec qui monde pour bravo, l'alliance. Bravo. Faut qu'on nous bravo. Oui, mais qui t'aime fini? Maintenant, je dis, il est clair. Pour un pays qui a terre, les institutions sont détruites. Qui sont arrêtés là, aujourd'hui, en Haïti? C'est mon yorété pour identifier yo, quels sont les patriotes de bonne volonté ou capables de mettre ensemble avec yo pour bâtir quelque chose. Je connais Genèse Chérubin, je connais parcours, je connais Fossou, je connais son capable comme faiblesse, je dis que je suis capable de faire route ensemble avec vous. Mais son bail qui est important. Parce que nous sommes un pays qui a terre. Nous ne sommes pas capables de prendre un monde comme ça, etc. Non, on ne peut pas faire ça comme ça. Ce n'est pas mon opinion. Dernière petite motion. On qui est avec Jovenel Moïse. Là, on dit l'identifier. C'est bien pour qui ça? Pour qu'on soit pas avec toi? C'est pour ça que je dis. D'accord. Identifier, pas ciblé. D'accord. Tout à l'heure, nous sommes fait une analyse claire sur l'international et où est que nous faisons séparation? Nous dit les États-Unis. Avec cette identification, nous clair, nous connaissons à qui est la bataille. Merci, c'est ça. Donc pourquoi ne pas le faire au niveau national? Et je dis au niveau des secteurs. Et ceci, m'a dit où, madame Chérubin, c'est pas seulement dans le secteur des entrepreneurs. C'est pas seulement. Non, je n'ai pas dit ça, mais c'est dans tous les secteurs qu'il faut identifier quand même monde qui est empêché. Mais c'est pas pour autant cibler eux. Qu'on y a, et surtout, nous prenons bâton pèlerin, l'eau de bataille. Monsieur, tu as commencé à 4. Et le secteur démocratique, là, il a commencé avec André Michel et d'autres. Mais je dis, ah, c'est pas parce qu'elle était identifié. Me songer qui parole, qui dialogue. Combien de temps on fait dans dialoguer ou même avec mais elle t'a identifié pour me connaître comment. C'est clair, ou pas capable. Qui côté nous bralé ensemble. T'as aimé répéter et pour me finir. Non, faut avancer. Identifier, pas ciblé. Mais en Haïti, le pas ciblé. Non, attention, prends le temps pour me balader, madame. Voilà, madame, finir.
Il y a quelque chose qui manque dans le discours politique. Et me penser, ça n'a fait là avec cette commission spéciale que nous mettons en place, suite au consensus de Mayotte, feuille de route qu'a défini pour le gouvernement de transition, les critères de choix de monde qui est capable éventuellement venir occuper des fonctions pendant cette période de transition, font continuer. Il faut continuer, il faut aller de l'avant, parce que justement, il pourra le permettre que nous portions en plus dans le débat politique aujourd'hui. Parce que la faiblesse du débat politique d'aujourd'hui, c'est que son débat qui paraît aux gens, et on peut nous reprocher, moi je reconnais tout, débat manqué, constructif. Et je pense que ça qu'a fait là, dans la feuille de route, nous avons défini. Dans le programme de transition, ça va le renforcer. Constructif ou inclusif? Ok. Sortir le débat, manqué. Constructif. Okay. Il y a des éléments de programme qui manquent la donne. Des éléments programmatiques qui manquent la donne. Et je pense que le travail qu'a fait là, avec le signataire du consensus de Mayotte, feuille de route qu'a défini pour transition. Hein. Et je pense que discours ça va enrichir, aspect ça va enrichir le discours politique là. Et la permettre que nous allions de l'avant. Parce que j'en me dis là, c'est un combat de fond qu'on est en train de mener. Et ce n'est pas seulement question de retirer Jovenel Moïse. Non seulement nous mobiliser Mounio sur une question de fond qui se casse au système, mais il faut nous dire tout. Comment nous pourrons prendre pays avec énergie, avec des éléments de programme, pour nous faire sortir de telle direction négative, pour nous mener dans l'autre direction constructive. Pascal Solange. Je pense que ça, c'est un bail fondamental. Il faut continuer de travailler. Moi-même, je pense que c'est très important que moi recadre de ces bagages, surtout par rapport à la place que nous avons dans divers sacs à discuter sous table. M. Larcier a parlé de lui, force sociale, etc. Et je pense que souvent, en pile dans nous gagnons une sensation extrêmement désagréable d'instrumentalisation dans tout discours capoté. La première chose que peut-être m'a situé par rapport au fait que moi son Petro Challenger me fait partie d'une structure depuis en janvier que moi des Jovenel démissionné. Ça veut dire ça nous pas tourner sous lit. Je n'ai pas de prétention représentative de toute une jeunesse dans pays que me penser tout qui pas ni homogène ni voilà. Yeah. Même penser que même gens tout le monde, la majorité population en Mandel, nous même sur un document, même Jean-Madame Chérie Metabdi, qui était présenté par rapport aux institutions qui ont un mandat pour ça, depuis janvier, nous pas dormir et majorité Petro Challenger dans le pays, ont demandé Jovenel démissionner. Son position de principe, comme des groupes qui ont boumé contre corruption et impunité, ça, il y a besoin de questionner. Maintenant, la question du système, et c'est là que peut-être nous même que c'est très important pour moi pour me recadrer. La question du système, c'est pas un. La corruption, surtout dans la question du système, n'a pas lié, on n'a pas retrouvé seulement nos seuls côtés. Ma point exemple, simple par exemple, nous avons une chambre de députés qui a mis un Jovenel en accusation. Qui va faire à un moment de la durée. Donc ça veut dire qu'il faut que nous gardions la question du système dans toute dimension que nous avons gagné aujourd'hui. Ça veut dire, moi-même, c'est pour ça que je suis d'accord avec Mme Chérubin. Nous-mêmes, nous, très important pour nous de qui est Jovenel aujourd'hui qui a remis le système en question et qui a demandé qu'a porter un discours cassé système là journée aujourd'hui de qui contre oppositionno de qui ça copoter de qui parcours et de ça qu'on défend en termes de porter dans pays ça déjà journée aujourd'hui donc effectivement que nous-mêmes nous pas pointer en question de corruption mais en question de système seulement sur une classe dirigeante notamment l'exécutif nous porter sous tout le monde de côté situé soit dans secteur politique secteur toute société hein ça dit journée aujourd'hui on très d'accord avoir l'a dit que qui offre politique qui offrit par rapport à tout discours ça je veux dire parce que nous même par rapport à ça que nous portons comme les exigences de la transition non seulement c'est une transition de rupture mais 4 R qui allait dans sens transition de rupture que nous demandé c'est tout rupture rigueur réorientation et diverses autres bagages qui pour dire que c'est pas réinventer avec mêmes amis réinventer avec mêmes outils c'est parti totalement non seulement avec mounio c'est pour ça que pour nous profil mounio pas individu en soi profil mounio de côté otayé de qui ça ont été porté de qui ça ont été construit et même déconstruit dans pays important ça veut dire que journée aujourd'hui question système là récupéré par divers monde et même par monde qui plus journée aujourd'hui même Jean Mounzil c'est en plaisanterie mais Jovenel Moïse récupéré un mot système qui a pleuroné toute la journée c'est vraiment en forme
c'est presque une insulte. Journée aujourd'hui, des monde qui utilisent pour dire qu'ils ont besoin de casser le système, c'est une insulte. Et je ne parle pas seulement de position, c'est une insulte à notre intelligence. Donc, ça, journée aujourd'hui, c'est pas seulement au niveau de l'exécution, c'est pas le journée utiliser mon système, non seulement que nous-mêmes nous considérons comme insulte. Nous, faire l'histoire, lutte, nous faire l'histoire, pays, ça, journée aujourd'hui. Et le fait reste demeure que, autant que des bails qui cachaient, que peut-être au fur et à mesure qu'on mettait dehors, mais nous connaissons l'histoire en pile monde. Nous connaissons l'histoire en pile secteur. Là, nous dit que le système est oligarchie, parce que font pas faire web, mettez un petit groupe tout petit, son bagage qui transversal et son bagage qui vont ligne dans tout secteur, dans tout groupe en d'un pays, de côté que le positionnel. Donc nous-mêmes, nous portons un discours de rupture. Et rupture, là, c'est dans tout bagage. Ni dans institution, ni dans monde, ni dans programme, ni dans projet politique, ni dans vision de vivre ensemble haïtien en d'un pays. Qui gens en tant que monde en d'un pays, ou est, ou décrit, et ou décider poser question vivre ensemble moun à moun, est-ce que le tabli sous question injustice sociale, est-ce que le tabli sous exclusion, est-ce que le tabli sous corruption? Ça veut dire que pas penser que porter un discours système et puis même je n'ai dit jeunesse non bon on mot que peut-être non l'autre débat qu'on va remettre en question parce que vraiment mais non c'est parce que ou porter ou récupérer ou c'est que ça va depuis ou dit que ou pas dans Jovenel Moïse, ou pas dans PHK, etc. Ça veut dire tout le monde, même peut-être pour me récupérer, tout vous me c'est beau, son... non. Je suis désolé, qu'est-ce que tout le monde parle là-dedans? C'est pas parce que tout simplement ou pas non bon. C'est tout simplement qui est souillé, qui est porté et qui a une histoire avec pourquoi il est pour payer ça. Et moi, assure que c'est des gens qui soient dans le PHTK ou bien c'est des gens qui soient, je ne veux pas supporter un président que tout le monde décrie ou de côté opposition ou cadre de l'opposition, mais c'est qui profil par rapport à ça que population a demandé je ne veux dire. À qui point ou pas représentatif de corruption, à qui point pas représentatif de toute exclusion, injustice sociale et mauvaise condition la vie que mon côté je ne veux dire. Moi, je suis en chambre député qui a eu l'occasion de mettre Jovenel Moïse en accusation qui parcelle. N'a pas les pouvoir législatif, il y a des années qui décriaient un pays. N'a pas les secteur politique, économique, un secteur intellectuel, un de journée jodien qui tout contribuait dans le système, entre guillemets, que nous avons journée jodien. Et désolé, mais c'est le cas. Je ne veux pas dire que l'inquiétude par rapport à qui est-ce qu'on a avancé dans ça et nous-mêmes. Tout nous avons inquiétude ça. Nous pas dormi, on groupe tout ça. Je fais prendre décision extrêmement calculée par entrer dans la transition. Et nous te dit depuis le départ. Et nous chita avec tout groupe, nous discuter document exigence transition là, tout ça nous voulait, tout ça que nous exigeons là. Et au-delà de cela, nous c'est des acteurs. Nous c'est des gens qui impliquent jusqu'au cou, qui prennent des risques, qui décident dans toute dimension crise, que c'est dans dimension populaire, dans dimension de la pensée, dimension constructive, pour nous impliquer là-dedans. Et pas gagner journée aujourd'hui qui va aller à l'encontre de rupture ça que n'a mandé et rupture elle passer par tout bagaille, par profil moun, par individu, par ça au porter comme vision pour pays et par ça au porter tout comme casser avec tout ça qui a pérennisé système ça. Pas là parler de jeunesse, pas comme si pas englober nos bagailles extrêmement naïf et extrêmement et peut-être trouble de ça qui a passé journée aujourd'hui. On pas quoi que nous personne monde sur table gagne prétention dire gagne solution à ça toute faite. À ça qu'a fait journée aujourd'hui là et personne monde pas gain tout peut-être légitimité totale de dire qui côté supposé aller à qui est supposé aller et qui jeune supposé aller. On est tous et toutes entièrement impliqués quel que soit le côté que nous positionnons nous. Et le fait qu'elle se demeure que nous-mêmes en tout cas moi-même en tant que pétrochanger et tout peut-être monde qui gain vision ça de rupture non seulement avec question transition et même après parce que la transition ce sera pour un temps c'est que rupture là est non négociable. Le mot galvaud de récupérer le système, non. La rupture, elle est non négociable. Elle a fait avec tout individu, tout monde, tout profil, toute institution, tout côté, justement, qui a comprendre que devant on grogne pareil, devant on révolte pareil, devant une résolution pareille, populaire, et de toute classe, de tout secteur, de tout monde dans le pays, que est capable de passer outre de lui. Et quel que soit le monde, je tiens qui fait représenter là, de côté constitué, malheureusement, on est obligé couper un moment parce que les plus fort que tout barrage. Très bien. Moi-même, je dis, c'est une bonne intervention. Excellent. Très, très bonne. Mais m'a dit, premier problème que vous posez, c'est off politique. Je crois que, en un feuille de route qui présentait là, qui a discuté sous lui, dans le fond de feuille de route, ouais. J'ai contré avec feuille de route alternative là, lui, vini avec une nouvelle offre politique qui n'est pas une offre traditionnelle. Il n'est pas ce qui est bon.
Il passait par une analyse profonde de Santa Cabrillé, situation pays à jeun fonctionner. D'ailleurs, et nous dit que rupture là t'est faite pour le faire depuis après 1804. C'est-à-dire où sorti non une société coloniale. Une société coloniale, nous retirer colons blancs et puis nous mettez des colons locaux. Et puis bah elle a continué même genre parce que après 1804, bah elle a pas changé. C'est-à-dire c'est un petit groupe monde qui est affranchi et qui a bénéficier ça blanc colon blanc té qu'on bénéficie à il a bénéficié qui prend place lui carrément masse population il pas bénéficier rien d'ailleurs ou ka gade gen des séquelles il était commencé à changer entre 1804 et 1806 ou pas de gagner ou pas de gagner pensée ou pas de penser pays ou pas de gagner c'est-à-dire mais son constat qui donne son constat attends le changement est attends son constat. C'est-à-dire, nous avons bien compris que dans la période ça, où il y a des gens qui ont réfléchi en termes global pour avoir une nouvelle orientation. Même nous, moi, ça me l'a dit. Société a, c'est qu'on s'est démonté. Pas quoi, mon gars, dit. Société a, c'est qu'on s'est démonté. Il était tellement, on ne peut pas dire ça. Écoute. Voilà. Soit m'a dit, Qui t'aime fini? M'a pas accepté au monde, dis-moi. Entre 1804 et 1806, pas de gens qui te réfléchi global, réfléchi pays. C'est sa position. Le pro, m'a pas accepté. Parce que c'est pas un problème. Nous pas jamais déconstruit société ça jujou ne jodi a là ou gen même c'est ça fait n'a pas les systèmes non c'est même société coloniale ça qui là jodi a ça n'a fait responsabilité pour nous dit transition ça il pas même c'est bon transition traditionnelle que lié son transition qui va poser les bases d'une rupture pour la construction d'une nouvelle société en faveur tout le monde et youn bagay qui n'a point de départ, qui nous dit que vous prenez une nouvelle offre politique, c'est le fait que à l'intérieur même de ça qui prend le fait conférence nationale, qui prend le fait dialogue national là, ou bien problème ça, vous prenez le poser de façon sérieuse. C'est-à-dire de façon sérieuse, qui sort qu'a fait avec les 27 750 km², 11 millions de monde là-dedans, et puis il faut la pauvre. Puis il faut la déo par contre. Donc, vous posez le problème. Comment construire, c'est-à-dire un nouveau système, une nouvelle offre politique, côté ou intégrer en quelque sorte tout segment, toute population, toute couche de la population la donne. Côté que vous pralguez, effectivement, et soit parler de vivre ensemble, comment construire en quelque sorte cette nouvelle démarche à l'intérieur de cette nouvelle société. Parce que, nous finissons par comprendre, société d'exclusion qui est là, qui fait que la majorité de la population par le pouvoir d'achat, et que petit groupe moun qui sont ces moun qui gagnent un pays à nan meyo, mais qui ça y a fait comme? Ou après, c'est pour poser aux questions, d'ailleurs, nous sommes dans une discussion avec des moun dans le forum économique, on me dit comment ouvrez nos pays, des industriels, des entrepreneurs, les riches, un long pays qui parie pouvoir d'achat. Population parie pouvoir d'achat. Donc, à partir de ce moment, ça privé, c'est l'État nous chita en approcher. Et nous, aujourd'hui, à là, presque tout contrat qui fait, c'est des contrats nous fait avec l'État, mais c'est des contrats, faut-il biaiser, etc., etc. Donc, on a une motion? Juste une motion. Alors, comme nous pensons que c'est extrêmement important, effectivement, mais ma pour retourner avec toujours, et nous pensons que pas grand monde
et je pense que les majoritaires, inquiétude, problème qui pose, est extrêmement important. Mais je pense que extrêmement important, c'est qui est tout majoritairement qui a posé problème. Parce que un pire problème n'est pas nouveau en fait. Un pire problème n'est pas nouveau, nous peut-être sont indifférents et par rapport à des approches différentes, décider, reposer, revenir avec eux. Faire retourner au centre des débats des intérêts, je ne veux dire. Même si on t'a dit, je ne veux dire, ce n'est pas une transition électoraliste, c'est pas une transition, c'est une transition qui va aller vers une rupture d'un système. Et il est extrêmement important, je ne veux dire que moi-même, par exemple, en tant que citoyenne, monde qui autour de Youn Natabio, parce que vous n'êtes pas les seuls, nous ne sommes pas les seuls non plus, toute population représentative de ça, connaît qui est qui a posé problème. Yo. Parce que ça, tout est extrêmement important. Non, j'ai mon âme de faire une motion, parce que si je ne fais pas, je ne fais pas dommage. Oui, vas-y. C'est important. Parce que nous sommes les. Et bien, vous prédominez. Non, non, moi, je m'en fais, tout va terminer. Tout va terminer. Si je ne fais pas, je ne fais pas dommage. Bon, ça va faire un souvent. Non, chaque soir. Si, vous faites moi-même, écoutez, c'est important. Et parce que faut nous pas laisser nous englober parce à on a écrit à droite à gauche à répéter à dire à droite à gauche. Pour moi, le 1er janvier 1804, nous étions très bien partis avec un chef d'État légitime qui portait un projet clair, la construction d'un État fort, la souveraineté nationale, l'intégration des masses populaires et rurales. Et, ou capable de tout ça dit, pour moi, c'est la cassure du 17 octobre 1806 qui a permis à une oligarchie de s'imposer et d'imposer son propre projet. Nous ne sommes jamais d'accord pour mon occulté période ça. Et pour nous autres, d'accord? Quel que soit projet ou pour le construire, je dis, projet, feuille de route, etc. Si, dans l'esprit, nous, il n'est pas calqué sur le modèle des salinières, pour nous, le bon projet viable. Ça, c'est un problème. Ah, non, c'est important. Parce que pour nous, écoutez. L'île de pensée a dû être claire. L'île de pensée a dû être claire. Ouais. Quel que soit projet, ou voulez, implémenté aujourd'hui en Haïti, pour nous, il faut le calquer sur le modèle des Saliniens. Et, si vous regardez le problème qui était posé entre 1804 et 1806, vous regardez aujourd'hui, après plus de 215 ans, les problèmes restent les mêmes. La nécessité de construire un État fort reste posée. La nécessité de reprendre notre souveraineté reste posée, la nécessité d'intégrer les couches populaires, les paysans, les jeunes, les femmes reste posée. Pour moi, ça son socle, c'est comme si Mtadou, son élément qui paraît nous indépassable. A dit pour nous les fondamentales et pas jamais d'accord. Son ou bien doit dire oui, c'est position, mais sous dit pas position pas mon pape d'homme à soi. Son monde va y être, de période ça. André Michel, Bradel, nous-mêmes qui dans le secteur qui a mené lutte. Ou même nous. Mm-hmm. Il ne faut pas faire l'économie de notre feuille de route. Mais une explication, nous, papa. Parce que où est-ce que tu dis là? Nous faisons toute une semaine à discuter sur tout ce qu'on répète là. Peut-être nous concentrer trop sur formatage, les fignolel. Le moment avant qu'on a fait travail d'explication. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est au niveau de l'opérateur. Je dis et je répète, et m'a répété encore, et m'a continué à répéter. Nous parlons de notre planète. Hein?
nous avons une société qui pourrit, qui finit. Et je dis à nous, dit après 217 ans, il faut une réformateur pour aller chercher une autre république. Donc ça veut dire qu'on ne va pas avoir des anges pour remplacer les Haïtiens. Et c'est ça que fait nous parler de système, nous parler de vision. Ce n'est pas mon nom. Et c'est comment canaliser. Parce que quand vous voulez qu'on parle, c'est nous-mêmes qui allons faire ça, nous allons faire. Quand on se parlait de jeunesse tout à l'heure. Et on dit, faut nous pas prendre question en gros, le fait que mon jeune et puis les purs, les ceci, c'est là-bas. Il n'y a aucun groupe social qui est homogène dans la société. C'est sur le plan général. Donc sur le plan général, faut pas faire une illusion pour dire tout, m'bral chercher dans le ciel ou bien m'bral chercher l'autre côté. Parce que nous tous nous d'accord, dans tout secteur, économique, social, politique, intellectuel, jeune, nous avons un problème. Et c'est ça que fait ensemble, n'a pas n'a fond, on l'autre indépendance, pour nous faire réformater, on l'autre vision, pour nous connaître dans quelle direction que nous allons. Donc, et dans ce sens-là, ou même en tant que jeune conscient, moi-même en tant que politicien, que nous conscient, André Michel, nous tous là, nous conscients. Mais attention, il ne faut nous pas arrêter la question, est-ce que lui-même qui était député avant, est-ce que lui-même qui était entrepreneur avant, et c'est ça qui fait que Taléa me répond laser, au moins, Boulos, dans un moment X, à un moment X, lui dit, moi-même, mais ça me déye, et je dis, mais ça me vleye, et il paraît de meilleur coup. C'est parce que je me blie. Et pas parce que il pas en dedans, il pas dans qu'on fait ça l'affaire, mais l'essentiel il mettait la découverte. Mais la paix. Donc il y a un prix à payer. Écoute, ça c'est la justice. Ça c'est la justice. C'est ça c'est la justice. C'est tellement nous qui l'aime. Faut-il donner. Tu n'as jamais entendu mon nom. Faut-il donner. Et nous dit, où est Taléa? Pas de balance, pas de rien. Le Sénat est long. Je ne ménage jamais un voleur. Et pas pour rien, elle me dit, t'es sénateur. Et pas pour rien, elle me dit que, je ne comprends pas comment Cantave, je ne pas dit sénateur Cantave. Je ne comprends pas comment Gary, je ne pas dit député Gary. Ça veut dire dans tout secteur, pas du président. Mais attention, il faut nous dire, nous, ça nous va le faire. Nous, on réinventer les roues. Nous allons changer, nous allons réformater. Changer maître, changer métier. Et donc c'est ça nous dit. Merci. C'est pour cette raison, vous parlez de feuilles de route. C'est ça m'a expliqué. Me dit Madame Pascal, que bon l'autre offre politique qui censé a construit là à travers feuilles de route. Là. Qui répond à préoccupation d'une part. Deuxièmement, m'a dit, mon cher ami, l'aime dit à cette époque-là, ou bien un petit groupe de monde, peut-être des salines avec deux ou trois monde qui étaient pensés, mais la majorité de ces gens-là. Mais c'est ce qu'il fallait préciser, ingénieur Bradley. Écoute. Qui t'aime d'où? Non, pas pour qu'il y ait l'absus. Moi, dit que tu es. Mais c'est normal ou pas grand pile moun qui était là à l'époque voilà, okay. Réflexe li c'était conservé, c'était le statu quo. D'ailleurs jodi a on parler n'a parlé du système, changement de système. Faut comprendre bien ça passé au milieu de sur population sorti dans la rue mon nèg idée. Non, population c'est pas un moun, c'est population sorti dans la rue. Non, m'a parlé au kounia, comprendre bien ça m'a pas dit le réflexe, réflexe de l'époque et jusqu'à très bientôt très il faut reconnaître comprendre bien il y a un homme qui avait qui portait une vision. Un homme porte, c'est pas ça le problème. Le problème le jour jodi à la ça fait n'a parlé de système, c'est parce que ou gagner ça n'ta cabrilé ou rome et composante population qui prend la rue, son réveil, qui dit il pas vrai ça encore. Donc à partir de ce moment, ou même qu'a fait transition, qui notre transition, ou dit transition pas qu'à bon transition traditionnelle, force son transition de rupture. Et même pas bon bagaille que nous même dans ma chérie, ça écrit noir sur blanc. Ma proposition, l'or ou en ta fait proposition, nous dit nous pas qu'à fait
présenté la Cour de cassation pour faire transition ça, parce que nous dit faut un signal de rupture parce que les trois pouvoirs de l'État ont effondré. Donc c'est sur cette base là que nous dit il faut mais pour nous même cette base est simpliste ou pas besoin ou pas elle est simpliste non elle n'est pas simpliste non elle est vous elle n'est pas simpliste Non, il n'est pas limité seulement à une période de transition. Très bien. Et ma bon pour frère, que ça nous dit qu'il faut une feuille de route, il faut qu'on ait un accord de transition, il faut qu'il y ait des balises, il faut qu'on ait une autorité nationale de transition. C'est parce que nous sommes conscients que nous capables toujours gagner des Et même si on te prend, on l'autre monde qui part dans la cassation, eh bien, tu es capable toujours gagner de risque de débordement. C'est ça. Madame, à un temps. Mais la rupture est permanente. Elle est permanente. Mais cette phrase, vous répétez-le. Hier, c'est Suzanne Dachita. Et Suzanne Dachita. Et c'est ça que fait. On dit, il ne faut pas faire l'économie de notre feuille de route. Sénateur Sourire. Il faut nous chercher pour, au niveau de la communication, les éléments pour aller expliquer. Et c'est ça que fait. C'est la pédagogie. Et c'est ça que fait. Nous sommes tellement conscients de ça. Ah oui. Et c'est ça que fait. Dans proposition de sortie de crise, nous, hein, nous-mêmes, l'alternative là, non seulement nous proposer l'organisation d'une conférence nationale haïtienne souveraine, mais nous dit faut gagner un comité de suivi des acquis de la conférence nationale haïtienne souveraine. Parce que en Afrique, comment ça s'est passé? Bon, bon côté qui fait conférence, et puis résultat conférence est tombé à l'eau. Parce que pas de bonne dynamique de suivi. Bref, et la rupture. Casser système, non, c'est un combat permanent. C'est pas à travers qui est-ce qu'on va le mettre dans la transition, véritablement, on va pouvoir avoir un président. Je voudrais ajouter quelque chose. Allez-y. Politique, là, je voulais vous dire, il y a ça que nous pointons du doigt en pile, c'est que fuck politique fait un lot de gens dans le pays. Ça veut dire qu'il faut le faire, il y a une façon pour que la population qu'on est politique a fait pour lui. Sortir dans l'État qui a joué, pour nous venir dans l'État qui a servi. C'est des bagailles que nous très clair par rapport à exigence que nous gagnons. Ça qui est clair, c'est que je n'ai jamais dit en terrain politique là, il commençait déjà et il condamné à évoluer. Que ce soit au niveau du Petro-Caribe Challenge qui est plus récent, que ce soit par rapport à toute émergence, par rapport à tout ça qui a grogné en termes de revendication, je n'ai jamais dit, hein, l'a abouti nécessairement à un lot of politique, que ce soit au niveau de, même je nous dis, offline en soi, que ce soit par rapport à moun kapote là. Jodi an, nous avons des moun qui pas dans le secteur politique là, qui dans divers autres côtés, qui en avant-garde par rapport à ça que yo vle, ça que yo exige en termes de changement système ça. Petro Challenger c'est un adan yo, mais majorité population entourée était en avant-garde. Et il est très important au-delà du fait de dire oui, nous travaillons sur ça, que faut que nous pas soude tout à nous-mêmes et à toute une population qui dit que les gens qui étudient ça. C'est là que nous y est. Et que ce soit au niveau de la transition et après, nous condamner pour nous évoluer par rapport à gens politiques qui fait là et qui est-ce qui a fait politique là et nous commencer, well, journée aujourd'hui. Donc, l'irrité extrêmement important que nous dit que profil qui nous. Qui est-ce? Qui Jean? À qui ça que transition ça a lui-même libéral fait pour lui déboucher justement sur une rupture qui permanente? Que lui part tout simplement des bails qui a changé des pions? Que lui arrive vers des changements réels, des changements en profondeur, Jean-Yves Dill? Et pas aucun monde dans divers secteurs qui a quitté le combat. Ça, parce que en fait, c'est le véritable combat. C'est véritable objectif, là, c'est véritable destination. Non, mais c'est la bataille qu'il faut faire.
faut pas comprendre. C'est la bataille elle-même. C'est la bataille elle-même. C'est la bataille qu'il faut faire. Non. Permettez, chère madame Pascal. Même on va parler de leadership. Permettez, chère madame Pascal. Oui, je suis là. Permettez. Gros bagaille que me répéter. Et me répéter chaque jour. Et me croire que on même tout. On connaît dans l'histoire. La Révolution française, 789. Robespierre, qui lui-même, qui était un pion important, il arrive au moment, même ça a été inventé, hein? Il a été éliminé. Parce que le leadership, la bataille, là, l'elle comprend, ça a été pensé, ça a été éliminé. Donc c'est la même chose. Dans cette bataille, il faut surveiller. Et cette rupture, c'est une bataille permanente. Et c'est ça qui va le bon résultat. Et en même temps, hier, moi dit, en même temps, tout, l'emfine fait bataille, ça, l'emfine fait transition, hein. Moi dit que le résultat, c'est dans le processus. Moi, regardez Wanda. Je vous dis, il y a un résultat qui a besoin de lui. Mais c'est avec nous. Donc, il ne faut pas arrêter dans la transition. Il faut arrêter après la transition. Après, pour arriver à jouer un résultat besoin. Donc là, moi, même pas inquiet. Parce que ce n'est pas nous qui avons inventé la roue. Ce n'est pas nous qui avons inventé la roue. Donc, si quoi l'on soit bras le faire, c'est bataille pour bataille, si on veut le faire, pour l'arriver. Parce que quel que soit moi-même, quel que soit moi-même qui ai 60 ans, Ginette qui l'a, et André, ce n'est pas nous-mêmes qui bras le faire, aboutissement. Et si nous arrivons au moment de travail, faut machine passer sous nous. Oui. Bon, okay. C'est exactement c'est ça. C'est là que nous la machine passera sur qu'il faudra. Sur elle. Bon, question pour Phil. Là, c'est. Imagine notre passe sur autre. Vous êtes l'élément système, non? Vous êtes l'élément système, non? On va aller. Vous êtes l'élément. Imagine notre passe sur la Après, M. Michel. Mais c'est chauffé le système. Oui. Et. Vous pensez que la vigilance doit être de tous les côtés. Ah bon. On a parlé de casser système, on a parlé de changement. Et je dis à les idées de changement qui traversent ces populations. Et personne ne peut arrêter ce train. Calmaste dili, et c'est une vérité. Massio prend temps. Parfois, vous comprenez. Mais là, vous comprenez net. Et pas de monde qui a détonné. Il est évident que l'arme de la dialectique ne saurait remplacer la dialectique des armes. Mais que les idées, elles aussi, dès qu'elles pénètrent les masses, se transforment en force matérielle. Je vous dis à personne de monde pas capable d'empêcher de nous arriver dans ce système-là. Vigilance, il faut le tout côté. Il faut le côté société civile, il faut le côté jeune, il faut le côté politique, tout. Et c'est important. Parce que nous avons un contexte de grande manipulation politique, nous avons un contexte de grande tentative d'intimidation politique, il faut que tout le monde soit vigilant, yon a veillé. Et c'est important parce que, me rappelez-moi, en 2004, là où fait transition 2004, là qui durait 2 ans, pendant cette transition, on avait intimidé les politiques. Ils ont intimidé les politiques, ils ont intimidé, on bande l'autre groupe populaire. Et on fait un gouvernement composé essentiellement de monde qui sortit dans la société civile, dans le secteur privé. Et le résultat, gouvernement ça baille bourgeois 20 ans franchise, gouvernement ça, c'est laisse aussi un tout vieux contrat dans l'État. Sauf façon pour me dire, à cette phase des débats, tout le monde doit être vigilant, tout le monde doit être veillé. Il faut que personne ne monde pas quitter monde intimidé yo pour yo pas jouer rôle yo. Moi-même personnellement, moi choisi, moi dit, moi-même André Michel, moi pas aucune fonction, moi pas occuper pendant période transition, c'est mon choix. Pas gêtant. Mais ça va que doit gagner mon proche moi, mon qui dans groupe moi qui voulait jouer rôle. Mais moi me dit me pas la donne parce que il y a d'autres chantiers.
pour moi chantier qui plus important pour moi le un chantier plus important pour moi m'ta remen ouais vraiment Petro Caribé li abouti 29 janvier 2018 nous avons initié le procès Petro Caribé avec la plainte du citoyen Johnson pour l'être déposé au cabinet d'instruction. Il y a plus de 75 monde qui portent plainte. Par la suite, l'État vient porter plainte. Il y a des jeunes qui prennent mouvement en charge, qui poussent sur les réseaux sociaux. Et je crois, bataille pour le procès arriver faite, là, c'est plus gros combat nous capables de mener dans la période de transition. Et c'est pourquoi moi, j'ai toujours dit que cette transition doit être placée sous deux signes. Un, le signe de la lutte contre la corruption. Pour Saint-Petro Caribé, Dermalogue, Sofidaï, c'est des procès qui vont engager véritablement. Deux, le signe de la vigilance citoyenne. Pendant cette période de transition, il faut gagner de monde qui n'est pas engagé, qui est dans la politique, qui est dans la société civile, qui est dans la diaspora, qui était vigilant pour surveiller que effectivement la feuille de route que vous avez le gouvernement, ça c'est lui-même l'a exécuté. Parce qu'il faut que ça soit la dernière transition pour ne pas quitter personne, quel que soit le monde, n'en prenne. Pour des affaires de clan, des affaires personnelles, et puis au bout de la ligne, on a constaté que le système pas crasé, c'est même l'obéla qui continue. Parce que si nous ratons ce moment historique, moi, qu'on a discrédité à jamais, pour les, et aux yeux de la population, nous pas capables de rejoindre. Ça nous joint là comme mobilisation. C'est pour nous joindre. Nous attendons de Marvel Dandin qui a parlé dans la radio. Il dit. Mobilisation li wè nan peyi a la jodi a moun k ap mande Jovenel Moïse kite pouvoir moun k ap Marvel Dandé moun k ap mande pou yo kase système moun k ap mande changement réel Marvel Dandé di mobilisation sale pou ko Jean Moël pa gen lan 86 pa gen lan 2004 nous avons un potentiel populaire que nous devons utiliser pour inventer l'avenir véritablement. Et je crois ça, c'est tout le monde qui est vigilant, tout le monde qui est suivre, tout le monde qui est veiller, parce que nous n'avons pas le droit de quitter transition ça, échouer. Et récréation finie, mobilisation, maintenant, il faut le commencer. Il faut le recommencer. Ok, ça me dit, c'est que je me réjouis du fait que nous commençons à parler de. Problème bah, de fond, il m'a dit que l'important pour nous, insister un peu sur la question structurelle plus que de personnes. Et Pascal, je crois que je parlais tout à l'heure de faire la politique autrement, de l'autre, l'État, état de service. Vous parlez de feuille de transition, plusieurs nous parlent de feuille de transition là, et ingénieur Bradel, Sorel, nous parlons de feuille de transition, mais nous parlons de suivi de transition. Moi, je pense que c'est ça qui est crucial, c'est les orientations, les lignes directrices, les mécanismes, et c'est ça que je dis la question structurelle. Alors, l'homme dit personne, pour me finir avec cette question, ça net, c'est pas que naïf. La question personnelle. Même l'émission, je ne vais pas attendez. Même l'émission, mais c'est ça, m'a dit. Même l'émission, je ne vais pas n'importe qui. Même moi, je dis que c'est pas ça. Non. Même moi, je dis que c'est pas ça qui est l'essentiel. Ça me dit, aime pas tout pour pas des dérives. Tu as bien fait tout à l'heure de dire ou d'identifier ou pas discipler. Ah, ben bien sûr. Parce qu'on a vécu des choses après Radio Versailles. Vous comprenez que je ne pas après que des dérives, ça. Mais c'est pour ça. Mais tu peux pas à tout moment couper et arrêter les gens. Mais ça, c'est fait depuis le début de l'émission. À moi? Oui, bien sûr. Oh! Bon, donc, quittez le vraiment? Pas un problème. Eh bien, allez. Ben, je m'étais. Vas-y, tu as la non, mais à quel moment j'ai fait ce que vous avez dit? Oh, mais non, mais ça, c'est un détail. On allait. Bon. Donc, c'est ça, je me dis que moi-même, il faut nous vigilants. Moi, je ne vais pas chiter à n'importe qui, mon nom plus tout. Mais ce n'est pas sur les personnes pour nous établir davantage. C'est pour ça, c'est les mécanismes. Et j'ai dit des critères pour définir le type de monde que vous voulez. Voilà. C'est pas juste parce que vous êtes à côté de Pascal et vous mettez carrément le même loi avec. C'est ça, je me dis. Donc, je me dis, il faut être très précautionné. Très, Pascal, bah, y a problème. Mais où qu'on ait des risques qui capent. Écoute, dans une émission comme ça, où qu'on ait des risques qui capent, faites la cible de monde. Comme ça. Donc, c'est pour ça. Madame, vous avez explicité, mais moi, je vous dis, c'est pas, même moi, je dis pas faire des rives là. Je me dis, c'est ce que je voulais éviter en disant qu'il faut insister sur ça. Ma place au mot. Après toute émission que je fais, toute émission, et dans toute discussion, dans la conjoint, moi, insister pour me dire, nous, pas refait erreur 86. Eh bien, bon, on est d'accord. C'est ça, me devait dire, moi, ok, on y va. Mais si ça n'a pas de clé, pour ça ne t'a pas de clé, on a refait le même genre. C'est même bagaille là. Mais c'est juste comme si nous pouvions faire transition. Non, mais c'est ça, vous insistez sur ça, ça n'a pas.
Je dis que ce n'est pas une transition traditionnelle. Oui. Non, donc, mais le mot a son sens. Oui. Oui. Donc, c'est pas ça m'habitue à faire. Oui, ah, voilà. C'est ça. Oui, alors.